Bon, je les rejoins, on va voir ce qui se passe. Désolé pour le retard. Bonsoir. 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 Ok. Alors, DFG, tu vas lead la soirée ce soir. Ok, je suis chaud. On compte sur toi, tu es leader. Let's go. Est-ce que tout le monde a pu installer les deux trucs sans problème? Normalement, c'est normalement oui, mais il n'y a pas eu de. J'ai pas fait de test, on va dire. Très bien, tu débarques. Maintenant, est-ce que ça va marcher? C'est notre affaire. Je suis en train de lire tout ce que vous avez mis là. Oh là là. Attends, t'inquiète, ça va vite. Trop de textes. Il faut que tu lis surtout le premier paragraphe de DFG. Attends, et ensuite, je vais te faire une le point correction danser. par rapport au serveur du Prolink. Je crois que je vais m'en sortir. Oui. Okay. Ouais. Je suis juste à la recherche de mon dossier, mon gus. Alors d'ailleurs, ça fait un peu peur, mais c'est facile. Est-ce qu'on lance le Better Calling avant ou après le jeu? Moi, je lance avant et je lance le jeu depuis. Et tu lances le jeu de Better Calling. Ça marche pas quand même si tu le fais pas, mais je conseille de le faire. Moi, j'ai pas mis le petit plugin Sheriff parce que t'as dit qu'il fallait le mettre que quand on voulait passer non, sur ce mode. Non, en fait, mode. Il a corrigé le truc après. En fait, si le host de la game le met pas, c'est ok. Mais du coup, tu peux host la game si tu veux. Du coup, ce que je te propose. DFG, j'avais proposé justement d'aller host la game DFG justement. Ok, bah du coup, faut que j'enlève le truc, mais ouais, ok. Donc moi je le mets. C'est vraiment vite. Oui. Ouais, mets-le. Mettez-le tous. Mettez-le tous. Moi je l'ai mis, je gère. T'as nettoyé le caca, PA? Oui, une petite nappe coulante, très sympa, qui met de bonne humeur. Une voilà, petite merde, quoi. Bien sûr. Une situation à gérer inédite en live. Comment mais, elle s'appelle mais pourquoi pas. Comment elle s'appelle Una. Una, très bien. Kawaii. Si des gens ont des conseils pour que voilà, elles puissent chier dans la litière, n'hésitez pas à me contacter en DM. Hein, mets son caca que tu viens de ramasser dans la litière déjà. Bah c'est... Ouais, oui. On l'a fait ce midi, après j'avoue que là j'ai été un peu pris sur le vif. Donc, Moi ce que je fais, c'est que je prends les papates et je lui fais gratter la litière. Putain, j'ai fait ça hier. Ah, vous faites ça? C'est ma barbarie. Mais moi je me roule dans sa litière, hein, si tu veux. Genre, oui, là, je suis là, oui. Ouais, je suis prêt à tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chié dans sa litière pour lui montrer comment on fait. Ah, bien. Let's go. Devant elle. Moi, je lui mets le nez dans sa merde et je lui dis: t'as compris maintenant? Ah, mais bon, voilà, je suis né dans les années 80, donc c'est une indication que c'est une autre époque. Une autre époque. C'est ça. Moi, j'écris juste WC sur la litière et en général, elle comprend assez vite. C'est assez clair, effectivement. On met directement dans le Among Us Sheriff mode, on le met directement dans les fichiers du jeu, quoi. C'est exactement ça. Il n'y a pas de mini sous-dossier, c'est directement dans. Pas que je sache, non. Normalement, il n'y a pas de folie. Il faudra juste que tu ouvres le fichier texte et que tu tapes un petit code dedans. En PHP, mais t'inquiète, on tirera. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux, trois lignes de code, quoi. Par contre, normalement, ça prend vraiment 40 secondes. Tu fais du C++ toi ou pas, Ultia? Il y a un peu de Python, mais rien de ouf. La DFG a donné le code. Ouais. Ah oui. Mais vous avez l'overlay, vous, ou pas? Pas encore, quand on est en game. Ah, en game, ok, excusez-moi. C'est immédiatement intégré dedans. Ouais. C'est bien mieux foutu que l'autre. Là, il n'y a pas. Ok, alors Ponce. Moi, c'est bizarre parce que ça m'a mis l'overlay de Discord là sur le côté. Ponce, nous sommes face à un premier problème. Ouais, on va le régler ensemble, ne panique pas. Ah, si, il faut que je me mette en screen. Oui, d'accord. Faut que oui, je fasse une screen cap. Oui, display capture. Voilà. Ok, donc. Ça me stresse. Tout va bien. Ok, MV est là. MV, normalement, c'est bon. Attends, j'autorise. Là, tu m'entends dans le jeu. Ah oui. Et je mets Discord. À toutes, hein, les gens. À toutes. Attendez, c'est normal que quand je lance le jeu, là, ils me disent couldn't connect to Among Us. Il faut que je lance d'abord le lobby, c'est ça? Je connais pas ce bug. Alors. ah, j'ai leak le code. J'ai leak le code. Ah oui, couldn't connect to Among Us. C'est cadeau. Alors, moi, j'ai juste une question. C'est, moi, je vous entends là, non? Pour virer l'overlay de Discord de base, parce que sinon je vais les deux overlays, ça va être relou. Non, mais mute, on va être muté quoi qu'il y ait Discord, donc personne ne parlera Discord. Ouais, Discord sera out. Ah, sauf si tu l'as pas reçu. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait que je quitte Discord parce que je vais quand même vous voir. Allô? Ribbonzy, c'est bon, ça marche. Mute la scène. Ouais, je vais ouvrir Crewlink alors. Ah, salut! Moi, ça veut pas changer le voice server. Allô? 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 Alors? Exécuteur. Ok, le code, c'est pas grave. On fait confiance aux viewers. Oui, bien sûr. Bonne idée. Mais je suis tout seul sur l'overlay, c'est bizarre. Alors, ouais, oui, parce en fait, pas dans le bon truc. Ponce, tu n'es pas sur le bon serveur. En fait. J'ai remis un autre truc. Normalement, là, t'as le machin genre point. Alors, c'est mieux si on le dit pas. Mais t'as un machin point quelque chose. Ah. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, t'as. Ah, voilà. Viens j'ai sur réussi, celui hein. que je mets sur Discord Merci là. De m'avoir aidé. Moi, j'avais.
Désolé. Bah oui, mais justement, j'ai mis celui-là. C'est le dernier que t'avais mis. Pour la vanne, t'inquiète. Il y a un slash à la fin. Il y a pas de slash à la fin. Oh, il faut faire CTRL R ou un truc comme ça encore là de nouveau. Alors CTRL R sur le crawling, c'est bien de le faire souvent pour refresh. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai normal que j'entends personne dans le jeu in game. Là, j'entends personne. Moi, j'entends personne non plus. Moi non plus, j'entendais personne. Moi, j'ai le son d'Antoine. Ouais. Antoine, chez moi, il marche nickel. Ça marche pas. Ah bon? Ok. Faites gaffe à pas muter okay, avec les bails de changement de scène. Là, tout le monde s'entend, non? Non. Non. Allô? Allô? Ouais, moi j'entends. Non. Moi, j'entends vraiment personne. Ça commence à être pas mal. Qui n'est pas dans le lobby et qui a des galères? Moi. Moi. Moi, je suis dans le lobby, mais j'ai l'impression que ça m'a... J'entends personne. Moi, j'arrive si pas à mettre le vraiment. Voice server DFG. Je sais pas pourquoi. Oh, réponse non plus, attendez. Ouais. Vous êtes pas en 4G? On n'est pas en quoi? En 4G? Non. Ah c'est oui, l'enfer. Ponce, oui, moi j'ai pas réussi tout à l'heure aussi. Il faut bien que tu copies-colles même le HTTPS, etc. En fait. Ok. Ah, il faut pas juste que peut-être. Tu copies depuis le message texte. Il faut vraiment que vous ouvriez le lien, que vous preniez dans la barre. Confirme. Et après, c'est très peu clair, mais voilà. Non, si, c'était très clair, au contraire. Bah si, moi j'ai mis https://, enfin le machin. Je sais pas s'il faut le dire. Oui. Ah merde. Et le truc, et sauf que ça fait rien. C'est mieux si on le dit pas, mais c'est pas grave. Bah je... ça marche pas. Y'a plus de lien pour afficher l'overlay là, comme avant. On peut plus récupérer de lien. Pour OBS. Alors non, en fait, là tu vas pas avoir de... En fait, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est mieux de streamer l'écran. Exactement, oui. Même si c'est très chiant, mais je pense que c'est mieux. Est-ce que t'as l'overlay au-dessus avec les petits personnages? Ah oui, c'est bien ça, ok. Ouais, et en fait, et surtout, tu vas voir qu'en fait, dans les... si vous activez l'overlay meeting dans les options, en fait, vous allez voir que c'est incroyable. Oui. C'est juste incroyable. Oh, les rectangles de couleur quand les gens parlent. Ouais, c'est ça. Juste, moi, j'ai mis, je sais pas ce qu'il fallait mettre pour si on entend les imposteurs dans les veines, tout ce genre de trucs. Ça, c'est, non, ça c'est moi qui gère, t'inquiète. Ça, okay. C'est le créateur de la game. Ouais. Mais je vais pas le mettre parce que ça peut bugger. En fait, des fois, le mec il est en meeting et tu l'entends dans la vente. Du coup, c'est un peu. Ah oui. Attendez, parce que moi je suis mute sur le B. On active rien du tout. Ah, mais oui, avec Alto, je me suis muté. Merci Zender Mercury. Mais ça ne pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je t'aide. Qui a des soucis? Je sais même pas décrire mes problèmes. On fera l'appel dans tous les cas. Ceux qui ont pas de soucis, go in-game. Comme ça, on laisse DFG régler sur Discord. Vas-y. Ah, sur Discord. Bah, vous m'entendez in-game? Non. Ouais, oui, je t'entends. Ah, je te remercie. Mais j'ai pas d'overlay. Tu l'as activé l'overlay? Il est activé, il est activé. Tout est activé. Allô? Allô, Alicia. Coucou est parti. Non. Vous avez vu que vous pouvez augmenter. Oui. T'es pas dans le lobby là? Allô? Ah. Ah, mais moi j'entends. Je parle depuis tout à l'heure. Attendez, la allô? Paniqué total. Vous m'entendez? On va y arriver, vous en faites pas. Ça va le faire. Vous m'entendez? Là? Là? Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Je vais faire l'appel. Je vais faire vas-y. L'appel. Ah. Ah, je les entends plus moi. Ah. Vous m'entendez? Mais pourquoi ça me déco d'un coup? Allô? Allô, DFG? Ouais. C'est trop bizarre en fait, à chaque fois ça me connecte mais genre une seconde et après ça me déconnecte instantanément, mais je suis dans le lobby mais vous m'entendez pas et j'entends rien. En fait c'est normal, c'est parce qu'il y a des gens qui sont full buggés. Allô, vous, mais vous m'entendez, est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent dans le chat in-game ou pas? Non, sur Discord on t'entend là. En fait attendez, en fait t'es pas sur le Trivia et JDG, vous êtes pas sur le serveur vocal en fait. Mais si, je vous vois, je vois Ponce, DFG, Domingo. Mais ils ont tous un petit wifi qui marche pas. Allô? Ouais, c'est oui, ça. Moi, c'est ça. Oui, ok, super. Excusez-moi, je les entends deux secondes et après j'entends plus rien. Pareil, c'est normal. Ah. Nous avons des interférences. Ah, ok, j'ai eu peur, j'étais en mode, je suis le boulet quoi. Non, mais pareil, je suis le boulet aussi, t'inquiète. On va le faire. Mais qu'est-ce que j'ai envoyé là? Et ça, c'est crawling, c'est le. Ok, d'accord. Voilà, mettez ça dans le serveur vocal. Ouais. Mais sans le slash à la fin, ok.
Et une fois que c'est fait, vous faites CTRL R sur le crawling. Peut-être ça marchera. Non, pas. Moi j'ai fait, ça marche pas. JPEG. Ah. Allô ah. JDG est dedans. Mais DFG, tu vois, genre là, je viens d'entendre tout le monde. Je pense qu'ils m'ont entendu aussi. Et instantanément, bah, ça a plus marché d'un coup. Ouais, ouais, c'est, en fait, c'est normal. Tant que tout le monde est pas bon, entre guillemets, ça marchera pas bien, je crois. Top. Faut qu'on arrive à avoir tout le monde en même temps. Faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je sais pas quoi faire du coup, j'avoue, je. Ouais, non, personne m'entend. Ça va, on va y arriver, d'accord? Faut juste que vous paniquez pas trop. Si, j'en peux plus! Oh, j'entends les gens. On t'entend sur les autres streams? Ah bon? Non. Là, c'est bon pour Trivia, ça marche nickel? Ah non, non, je l'ai entendu une seconde et ça marche plus. Ok, c'est. Allô? Et là, c'est bon. Ah oui? Ah, si, c'est bon, je l'ai entendu. Et là, c'est. Moi, je suis chaud. Allô? Allô? J'entends quelque chose? Allô? Moi, je l'ai. Allô? Oui. Je vous entends. Ah, je vous entends. Allô? Donc là, est-ce que tout le monde entend tout le monde? Oui, je crois. Vous m'entendez? Oui, Bagara. Oui, Bagara. Je vais m'occuper de l'appel. Remonte en haut, Domingo. C'est très faiblement, mais je vais te montrer. Est-ce que tout le monde m'entend, Antoine? Oui. Ok. J'appelle Domingo. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu Domingo? Oui. Allô? Oui. Oui, Fred. Mais c'est pas possible, bordel de fion. Ah. Ah. Mais merde. Le pourquoi truc, c'est... En plus, je les vois parler, là. Je vois que personne parle. Là, je vois qu'il y a Rouge qui parle, il y a Bagheera qui parle. Et ouais. Je ne les entends pas. Et là, il y a Antoine qui parle. Il se passe si je pense. Faut qu'il change sa sortie audio, je pense. Blablabla. Attends, est-ce que c'est ça? Il y a de la merde dans le tuyau, hein, je crois. Ah mais oui, putain de merde, c'était ça en fait. J'ai mis sur YouTube, ça se trompe de casque, et voilà. Et voilà, super. C'était énorme, merci. Enchanté. Oui, non, en fait, c'est juste que j'avais foutu... En fait, le son du... Alors ça, c'est bizarre, c'est que sur Mongo XLR, du coup, j'ai le son du jeu et le son de vos voix qui est sur la même sortie, en fait. Exactement, c'est le même problème aussi. Ah oui, le même problème. Ok, bon, je continue l'appel, du coup. D'accord. Ultia. Oui, on m'entend? Oui. Viens en bas, rejoins-nous. Ponce. Ah, bien. Spoiler. Oui, je suis là. Ah, incroyable. Quoi? Je suis là. Échos parce qu'on prend trop Little temps, Big Whale. Ah, Little Big Whale. Oui. Oui. Je suis là. MV. Oui, bonsoir. C'est bonsoir, Rivenzi. Oui, je suis là, évidemment. JDG, du coup. Oui. Il faut monter un peu le son. Bagheera. Oui. Incroyable. Et évidemment, DFG. Magnifique. Faut monter le son. Alors, un truc qui est bien avec le Better Crawling, c'est que si vous allez sur le soft directement, que vous avez les petits personnages qui sont affichés, vous laissez votre souris sur n'importe qui et vous pouvez gérer son volume. Ah, j'ai monté tout le monde. J'ai monté absolument tout le monde. Moi, je t'ai baissé, du coup. Ah ouais? Mais, ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir l'overlay des gens qui parlent en plus gros ou pas? Non, mais pendant les meetings, ça prend énorme. Tu verras. Ah oui, il y a pas les meetings, ça va être trop bien. C'est dommage. Ok. Ouais, meeting, c'est compréhensible. Ok, vous me vendez du rêve là, du coup. Si c'est pas un truc énorme, je serais déçu. Alors, DFG, est-ce que tu peux lancer? Parce que faut y aller là. Excusez-moi, on t'entend. Non, mais t'inquiète. Oui, on t'entend. Juste checker bien vos boutons de mute si jamais personne vous entend ou quoi. Ah, vous m'entendez là ou pas? Oui, on entend. Donc mon bouton de mute ne marche absolument pas, c'est bien ça. Moi non plus. Ça marche peut-être. Moi ça marche, j'appuie sur Alt. Moi ça marche, je viens mute. C'est sur gauche maintenant. Moi j'ai bindé un truc de ma souris, mais ça marche pas. Ah oui, okay. Ah bah putain de merde. Yes. Let's go. Allez, c'est let's go, ça part de là. Tiens, je vais en profiter pour vous remercier. Zabouzarok, merci pour le 5e mois. Kuril, merci pour le 8e. La vie, c'est pas facile, merci pour le 2e. Emma, merci pour le 4e mois. Bobo Truc, merci pour le 2e mois. Nico, merci pour le Prime. Clins Vania, merci pour le 4e mois d'abonnement. Robuc, merci pour le 4e mois. Et Eva Nami, merci pour le 2e mois. Et Nicolas, à l'instant même, merci pour le Prime. Bienvenue. Alors, on reprend. C'est bon, ça va le faire. Avant de lancer, je vous conseille de pas regarder la barre en haut quand vous jouez parce qu'il y a possibilité que quand quelqu'un meurt, il se transforme en fantôme direct dessus. Okay. Ah. Mais c'est pas, mais c'est pas tout le temps, mais ça peut le faire. Ça peut arriver. Mais normalement, ça va pas le faire, mais ça peut arriver. Donc juste. Pas de s'il vous plaît, les gars, quoi. Un pif, voilà. On peut lancer. Tire soirée. Non. Tu nous entends, JDG, là, c'est bon? Non. Oui, maman. Parfait. Et toi, tu me vois à la caméra? Oui, je te vois. Non, ah ça commence, mais putain, mais j'ai dit non. Merde, bah pardon. Joyeux
Ah bon, c'est pas grave. Parce que là, vous m'entendez toujours, on est d'accord? Écran noir. Quoi? Comment ça, écran noir? Écran noir, pareil, pareil. Je vois juste... Ah, il a scam la soirée DMG. Oh le boss. Je ne me vois pas. C'est énorme, c'est énorme. What? Je crois que tu es un poster. Ok. Alors DMG, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Ah mais je vois au fond. On va faire un truc très simple. Il y a un pixel vertical où on voit le jeu. Je vais vous sauver la soirée, paniquez pas. L'ambiance est délétère, okay. Les fleurs. L'ambiance est délétère, j'aime beaucoup ça, okay, c'est énorme. Ok, j'ai trouvé. Donc là, tout le monde a shérif, c'est ça? Oui. Bah non, okay, donc... non, on voit rien. Non, on voit rien du tout. Enfin, moi j'ai rien, perso. Non mais tout le monde a installé le mode shérif. Oui. Ah oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, du coup, il y a que moi qui l'ai pas, donc c'est peut-être pour ça que ça bug. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous l'enlever. C'est vraiment rapide, il faut juste aller dans là où vous l'avez installé. Et je vais vous mettre le chemin à suivre sur Discord, ok? Il faut désinstaller quoi? Faut juste non, vous désinstallez rien. Vous allez juste si on relançait juste le jeu, ça marcherait? Non. Vous allez couper le DLL que vous allez trouver, vous le mettez sur le bureau quelque part au hasard et on le remettra quand on voudra jouer. Okay. Oula. Okay. Vous allez voir, c'est un fichier. Ça, normalement, vu le lobby. Au revoir, t'inquiète. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non. Ah oui, il y a Discord. Allô, oui, re. Allô. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, c'est très très simple. On a le TF4, mon gosse là. Je quitte le bureau. Ouais. Émerge LTF4 Streamlabs OBS. Non, c'est pas vrai. Fichier locaux. Il est bon. Salut. Alors, ouais, je pense que DFG est suspect. Hein. C'est vraiment facile. Faites ça. Alors, c'est lequel qu'il faut suivre? Il suffit d'aller dans. Ok, c'est alors. Trop bien. Pouf. Je m'occupe de tout, ne paniquez pas. Juste, il y a deux fichiers DLL, c'est lequel? Pour pas que je me loupe. Login. Alors, Sheriff Mode DLL, sans en avoir qu'un seul. Alors, hein. Le DLL. Oui, il y en a qu'un seul. Got it. Attends, il est où le DLL? Il est où le Sheriff Mode? Il a mis le chemin dans le. Dans Among Us Stream, vous lisez mon message et vous faites ce que je vois. Voilà, je l'ai fait. C'est assez facile. Sur Steam, clic droit propriété, parcourir le jeu si jamais il y a un doute de la source. Hop, c'est déplacé ailleurs de mon côté. C'était du troll, c'était juste pour stresser DFG. Mais moi, il a pas ce nom, il a pas le nom. C'est bon. Fais gaffe, ça marche super bien. Attends, je l'ai déplacé, mais il reste toujours là par contre. Je comprends pas, moi je suis sur Linux. Mais tu le déplaces et tu le supprimes ensuite. Je l'ai dédoublé. Non, je sais pas faire. Tu coupes. C'est bon. Contrôle X, tu le mets sur le bureau dans un endroit où tu vas le retrouver facilement. Incroyable. Après, tu le remettras dans l'autre sens. C'est un bordel, mon Slayfleur. Mais on va y arriver. Merci beaucoup, Pelia, pour le Prime. Merci, Ozon, pour le 2e mois. Quick Gaming, pour le 7e mois. Blop, pour l'abonnement. Davod Life, merci pour les 2 abonnements offerts sur la chaîne. La Puge, merci pour le 3e mois. Et Nano Live, à l'instant même, merci pour le 12e mois. Un an que je soutiens le meilleur streamer monde. Merci pour ces moments incroyables. Continue comme ça. Merci beaucoup. On va y arriver, les fleurs. On va y arriver. Ok? On va... Voilà, soyons confiants. Merci Criquet pour le 3e mois, merci beaucoup. Soyons confiants, messieurs, dames, ok? C'est pas Vania, le chat de proxy. Ah, mais le chat de proximité, c'est un mode, hein. Ça existe pas en vrai, entre guillemets, hein. C'est un mode. Du coup, t'avais fait le truc de shérif? Tu voyais shérif mode? Oui, c'est écrit en haut et tout. Ok, est-ce que... Et t'as quitté Among Us? Ouais. Attends, c'est... Ok, t'es dans tes fichiers, là, t'es dans machin Steam Apps Among Us. Ouais. Ok. Donc là, sur le machin, juste le dossier source, t'as Among Us application que tu peux lancer. Ouais. T'as mis l'archive de Among Us Sheriff mode. Ouais. J'imagine, ok. Donc là, t'as plein de trucs partout, Unity, Crash Handler, machin, on s'en fout. C'est ça. Ok. Là, tu vas merci dans beaucoup. BEP Atomic Fart. Merci pour le 7e mois. Merci Arbuste Vigoureux pour le 5e. Il s'appelle BEP in X. Il va faire tournoi. Et après, tu vas dans plugin. Ah, c'est bon, ta gueule. Okay. Non, c'est y a pas de ta gueule. Ta bah, gueule vois, il va faire tout noir. Mets de côté quand même, mets-le quelque part. Oui, je le mets sur le bureau, mais je dis je le supprime du fichier. Ah oui, tu l'enlèves du dossier, ouais. Il faut que le dossier soit vide, dossier plugin vide. C'est ça. Ok. Il va faire tout noir. Mais après, normalement, ça devrait marcher. Sympa. Sympa. Ah non, mais c'est la réponse, mec. Une petite contrepétrie, peut-être, pour détendre l'ambiance, pense. Un choix dans la date. Non, mais ça fait 800 fois qu'on l'a fait, c'est la Chine. Pardon. La lenteur, toujours les mêmes contrepétries. Non, mais frère, j'en ai pas mis, là, moi, des contrepétries, c'est ton truc. Mais c'est pas mon truc, mais personne n'a jamais dit que c'était. Arrête. J'espère qu'il y a un petit florilège ce soir. Un petit florilège de contrep. Non, mais attends, mec, on se souvient, c'est toi le petit prince de la contrepétrie. C'est comme ça qu'on s'appelle en soirée, mec. Bon, vous voulez que je vous comme ça, je me demandais pourquoi. J'ai jamais entendu faire une seule contrepétrie de ma vie. Mais j'en fais jamais, genre vraiment, je sais pas pourquoi vous dites ça. Quelle contrepétrie, hein. Mon truc, c'est plutôt les maths. Hein. Bon, alors, je t'ai vendu comme ça auprès de mes proches après. Bon, c'est cadeau. Cette femme est une lieuse de chardon. Est une chieuse de lardon. Yes, PA, il a putain, la chasse, yes, je l'ai eu direct. C'est vraiment le petit prince de la contrepétrie. T'es prêt pour le grand concours Voltaire, mon pote. Ok, j'en ai une autre, c'est cadeau. Vas-y. Okay. Je gémis sans pouvoir lutter.
Je l'ai mis sans pouvoir, oh non, pouvoir juter. Ça me dégoûte. Ouais. C'est quoi ouais, là, c'est un peu le problème, c'est les contrôles pétris, c'est sale en général. Quoi. C'est souvent salace. Ouais. Et... Allez, je me mute, on se retrouve dans la game. Allez. C'est sale ambiance, France. Hein. Je connaissais pas cette facette de lui, mais. Chelou le mec, quoi. Mais t'es un bâtard, c'est toi qui as cherché. Bon, allez, je me mute. Allez, salut. Allez, à plus tard. Alors pour non, moi, je suis en voice activation. Moi, je suis en push, mais bonsoir. C'était juste pour setup. Donc Mais comment tu fais pour te muter quand t'es en voice activation? Ouais. Bah, je fais juste alt. Allô, et vous m'entendez? Ouais, bah super. Oui. Et je crois que tu appuies sur contrôle. C'est ce que je rappuie. Tu veux enlever les gens, je crois. Contrôle. Ah. Allô. Donc là, c'est bon pour tout le monde. Donc là, vous m'entendez? Faut augmenter le son de tout le monde. Oui. Ok. Et là, vous m'entendez sur Discord? Ah, ça marche. Toujours, toujours. Incroyable. Yay. Mais là, on est parti pour la soirée, hein. Y a plus de test après. Hein. Ouais, voilà, bah, c'est bon. Allez, on va tester si c'est l'écran noir. Faut déjà qu'il n'y ait pas l'écran noir. Allez, let's go, l'écran noir. Let's go. Ah, c'est parti, ok. Vous m'entendez là? Ouais. Ah, c'est beau. C'est énorme. C'est énorme. Incroyable. Allez, bonne chance à vous. GG, DF. GG. Ne restez pas trop groupés pour les imposteurs. Je pense qu'il est en train de monter les sons. Ouais, je galère avec les sons. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Okay. Oui. Vous m'entendez bien ou c'est dégueulasse? Ouais, on t'entend super bien, Bagheera, c'est un plaisir. Honnêtement, Bagheera, c'est exceptionnel. Viens pour un petit passe. Bah attends, il y a. Vous parlez pas tous en même temps. Ouais, pas tous. Calmez-vous. Laissez-moi être surexcité, ouais. Attends, on galère. Je le fais. C'est qui? Super. Ah bah. Oh, c'est qui? C'est Bagheera. C'est Bagheera. Je me sens bien que c'est Bagheera. Il me semble que c'est Bagheera aussi, ouais. Il me semble que c'est Bagheera, ouais. J'ai pas stackil dès le départ, alors je serais très heureuse quand on parle. Oh merde, effectivement, c'est complètement faux. C'est juste dingue. J'étais pas sur le bon écran depuis le début. Ma scène n'était pas la bonne. Bravo. Ils n'ont pas vu ton kill. Merde. Tout à fait, ils n'ont pas vu le kill de Bagheera. Merde. Mais qui a dit que c'était moi? Parce que c'est pas moi, et du coup, qui a dit que c'était moi? Moi, j'ai dit que c'était toi, mais j'en ai aucune idée. Effectivement, on voit le petit fantôme en haut, voilà. Oh, c'est génial. C'est vrai. C'est bien ça. Oh, Riv, après une demi-heure de cette technique, il n'y a même pas le temps de toucher un bouton. Sublime, ça. Quel plaisir. Non, mais du coup, en vrai, moi, j'ai rien vu du tout. Moi, je suis quasi sûr que c'est Bagheera. Ah non, c'est pas moi. Non. Pourquoi? Alors, commençons. En fait, on était un peu pack, et au moment où le pack s'est desserré, le kill a été effectué, je suis quasi persuadé à 95% que c'est pas JDG en tout cas. En fait, j'ai eu l'impression. Et c'est pas Ultia non plus. Moi, je dois avouer que c'est moi qui faisais de la merde au light. Moi, je faisais de la merde aussi. Un peu envie foufou. Ouais. Et Bagheera, j'ai eu l'impression qu'elle est arrivée après. Attendez, je suis entrée en première quasiment dans les lights. Je suis entrée en première dans les lights même. Et ensuite, on a fait chier sur les lights. C'est Ponce qui a dit ah, je finis, je vais faire les lights. C'est vrai. Je suis reparti et là, il y a eu un petit. Très bonne imitation d'ailleurs. Oui. Merci. Ouais. Parce que si on résume, Ponce, Bagheera, Jean, moi. Il y avait Rivenzy aussi. Ouais. Bah oui, bah Rivenzy. Merci. Et Trivia, après, ça peut être du Trivia aussi dans le. Non, mais alors moi, je vais vous avouer que j'ai rien vu, mais il m'a semblé voir un dernier move de Bagheera aussi. Mais franchement, je suis tellement si peu sûre. Mais vraiment, Bagheera, j'ai peur que ma mémoire me joue des tours, mais je suis vraiment quasi sûr. Ouais, j'ai eu un délire aussi sur Bagheera. En fait, moi aussi, mais c'est 5% sûr. Mais vous allez vraiment me faire éjecter là? Et DFG, t'étais où? Moi, je suis à Weapons, et vous m'avez interrompu sur le 19ème astéroïde. Super. Mais moi, je vais pas voter Bagheera. Dommage. Non, parce que je suis pas sûr. Mais moi, je me rappelle d'une. Je suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr à. En fait, je suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr à 95%. Voilà. Après, surtout que Little Big Well, c'est sa spécialité, les kills dans les masques comme ça. Ouais, elle aime bien. C'est sa spécialité. Je parlais de Bagheera. Ah, Bagheera. C'est vrai aussi. Bagheera. Oui, c'est pas moi. Ok. J'écoutais pas quoi? Moi je vais skip. Même si vous avez l'air assez d'accord. Hein. Moi, je sais pas. Non, en vrai, on sait pas. Les imposteurs qui en profitent de ouf là. Attention, on skip. Moi j'ai voté, ça avait l'air marrant. Je suis vraiment quasi sûr que c'est toi, Bagheera. Ouais, moi aussi. On se calme. Ouais. Mais attendez, les crewmates, les imposteurs sont en train d'en profiter de ouf. Attendez-moi pour le jeu. Je vais régler mon son. Tu diras ça au seigneur. Premier arrivé, premier tué.
Salut toi, beau gosse. Salut mec, comment il va celui-ci? Eh ben ça fait du bien, un peu de calme. Non mais c'est encore toi qui éteins la lumière pour me tuer, c'est ça? Oh non, y'a, faites pas les dingues, Moi je suis en full fusée là, mon pote. Ok, et qui va au light là? MV, il est parti? Ah non, on y va pas, c'est fini là, Non, on y va pas. Viens à droite, MV, viens à droite. Bah je viens avec vous. Bah si, je viens avec vous. Ah ok, pardon. Ah mais attends, MV est pas venu. Je fais la tempé là, je fais la tempé. Ah oui, la tempé. Faites gaffe à Antoine aussi, hein. Vu que c'est le tueur, faut faire très très faites gaffe. Faites bien gaffe à moi là, parce que je suis vraiment très méchant. Et hyper dangereux là. Ah déjà. Ça charcute. Ah, il cliquait de sofa. Est-ce que c'était dans le tas? Aïe. Alors je sais pas du tout. Je pense que ça peut pas trop être Ultia et la personne qui était avec Ultia. Surtout que moi, je suis partie au sud, en fait. Alors non, Bagheera, elle est partie en dernier. Elle a dit oui, « Attendez-moi, attendez-moi !» Et moi, personnellement, je suis partie au sud. Attends, mais c'est où, là? Beaucoup, la Bagheera. Ah, attendez, c'est... il est où, le kit? C'est au light, j'imagine. Il est devant la porte d'Electrical de dehors. T'es dans admin, Ultia? Tu vois, Ultia, j'étais en bas, là. J'étais juste avec moi. J'y arrive, Trivia. Ok, parce que moi, je suis en bas d'admin et là, il y a personne à côté de moi. Non, j'y arrive. Je suis vraiment dans le bas. Ah, ok, ça marche. Mais les gens, Ultia peut dire quand même que j'ai pas pu être à Electricity, là. Ah non, elle vient juste de partir. Voilà. Elle est pas du tout à Electrical. Hein. C'est impossible. Pourquoi le cadavre, il est là-bas? C'est pas vraiment dans Electrical. C'est vraiment genre dehors. Là, elle est. À droite, elle est... c'est long. À droite, franchement, ouais, dehors, je pense que vu que je viens de la laisser partir et qu'elle elle disait attendez-moi, au niveau de la lave, je pense que vu que ça fait environ 5 secondes, elle doit être grand max au-dessus de storage, quoi. Enfin, grand max. Tu es devant storage? Ouais, je suis juste en dessus. Je suis en train de passer dans la nuit. Pour aller faire les lights. Ok, parce que le kill est vraiment genre là, quoi. Au mur. Ah, Bagheera. Quoi? Ah, je vote Bagheera. Non, c'est pas elle. Bagheera, en vrai, j'ai pas voté pour toi par politesse. Mais donc, tout le monde s'amuse ici. Moi, j'ai été impoli à l'instant même. En fait, c'est moi aussi, j'étais impoli sur Bagheera. Non, mais c'est pas l'empêche. Pour moi, c'est toi qui as kill. Non, mais elle n'est pas Electrical, attention. Mais le premier kill, pour moi, c'est sûr que c'est elle. Mais DRG a dit que c'était pas Electrical. Il a dit que ouais, mais le kill a l'air d'être à côté de storage. Il parle du premier. Oui, mais même le premier, c'est pas moi. Je n'ai pas kill. Et du coup, c'était juste dans le stack. Vous avez vos yeux, vous ont joué des tours. Ou bien vous êtes imposteur et vous en profitez. Non, parce que nous, et là, c'était impossible que je fasse le deuxième kill. Concentrez-vous plutôt sur. Ouais, c'est un peu dangereux de voter pour elle si. Ah, bah, c'est trop tard, je l'ai fait. Nous, on a voté. Après, ce que nous, après je regrette peut-être un petit peu. Mais c'est pas moi. Vous avez voté? Ouais, mais je regrette peut-être un peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le pack, s'il vous plaît? Il y avait moi, Little Big Whale. Là, je vois pas ce que je peux faire. Il y avait moi aussi. Il y avait PA. Moi, j'étais dans le pack, oui, à la base. Il y avait MV. En fait, on était. Et toi, Domi, t'as vu quoi? Ah bah moi j'ai troll les lights premier round et ensuite j'ai eu un truc sur le rouge, je sais pas pourquoi, j'ai eu un feeling sur Bagheera. Et ouais, là deuxième round, on était avec Ponce MV, il y a Jean qui nous a rejoint. Tu faisais quoi d'ailleurs, Antoine? Avant bah, j'ai fait le télescope, j'allais faire mes petites fioles ensuite. D'ailleurs les gars, juste là on s'entend de très très loin, je changerai ça pour la game d'après. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ça, ça me perturbe un peu. Ah, niquez-vous tous, j'avoue. Allô? Oui. J'avoue que. Oui, il y a moi. Si. Je suis là aussi. Je suis réparé. Ok. Propre. Incroyable. Clean. Ah oui, je dois terminer cet upload, ce download. Merci beaucoup, Regolia, pour ton abonnement. Merci, Sigus, pour le 4e mois. Merci, Laurent, pour le 2e. Gaptolette, pour le 5e. Lika, pour le 2e. Ismasan, pour le Prime. Axel, pour le Prime. El Chorizo, pour le 6e mois. Merci à vous. Merci beaucoup, les fleurs. Mais c'est incroyable, je l'entends du coup. Ah, mais je t'entends là, je suis à l'arbre et je t'entends. Attends, t'entends quand? On s'entend vraiment loin. Ouais. Ah, genre là tu m'entends, MV, ou pas? Ouais, je t'entends. Ah, oui. Ah oui, je suis quand même assez loin, effectivement. C'est énervé. Ouais. Je vais les réduire après, excusez-moi. Hop, je sais pas si quelqu'un m'entend, mais du coup, je pense que c'était absolument pas Bagheera. Hein. By the way. Ah bon, mais putain, c'est vous qui avez lancé la tendance. Qu'est-ce qui fait dire que c'était pas elle? Bah. On entend des cams alors qu'on est au gouvernail. Ouais, non, mais je sais pas parce qu'on a mais voté. Non, je suis là, MV en fait. Je suis là. Ah, lights. Light. Oh, Bagheera, le cauchemar continue. Non, moi je suis quasi sûr de l'avoir vu pile au premier. Ah, ok. Ouais. Coucou. Rivenzi. Ah non, il était déjà mort, c'est Domingo. Domingo. Ok. Est-ce que là, tout de suite, des gens peuvent se assurer que quelqu'un d'autre n'a pas tué, genre à l'instant? MV, Ponce, Antoine. MV, Ponce. Bah, moi, j'arrive sur MV. Je sais pas. Ah bon? Ah bon?
Il me semble, là, je suis à l'entrée de pour entrer dans les lights. C'est pas MV que je vois? Bah, je suis... Oui, j'y suis, ouais. Okay, mais bah on non, t'a pas MV, vu. C'est MV. Alors... Ah non, mais là, je vois un bout de corps et je crois que c'est Rose, mais je rentre dans lights. Enfin, je rentre, je suis dehors, j'arrive devant la porte des lights. Ouais. Mais il était pas là, MV? Si, mais on t'a pas vu, mais j'étais là aussi, par exemple. On était dans ce coin. Ah bah j'ai vu que MV. Ah non mais là je vois MV mais c'est à la limite de... je le vois pas quoi. Donc Ponce, si t'es un peu plus loin je te vois pas toi. Ok, t'étais où avant Trivia? Bah avant j'étais dehors, j'allais faire les lights. J'étais en route vers les lights et puis voilà. Mais depuis donc, où? J'étais dehors. Depuis admin. D'accord, et Ultia t'étais où? Voilà. Alors moi j'étais seule, je suis allée faire toutes mes quêtes en bas à droite puis en remontant au niveau de labo. Et là j'étais encore toute seule au niveau de l'antenne. Moi j'ai une petite théorie. Au niveau de l'antenne Ouais, tu sais, l'antenne à droite du vaisseau. Ok. DFG, t'as autre chose à dire ou pas sur le kill là? Bah en fait, il est mort quand il y a eu les lights, genre quasiment direct, je pense. Ouais. Du coup, je voulais voir si les gens pouvaient clear, parce que le kill est vraiment genre à l'instant. Mais moi, je suis vraiment toute seule. À quel endroit? Je sais pas, j'ai buzz. Ah, ah oui, c'est vrai, putain, on sait pas. Ah oui, d'accord. Ah merde. Coup, alors, c'est forcément une des deux filles qui était toute seule, non? Pourquoi? Moi, ce qui m'inquiète. Toi qui cache le cadavre, DMG. Ou moi qui cache le cadavre, Antoine, effectivement. Moi, ce qui m'inquiète, alors, c'est que Trivia, au premier round, elle a dit quand même qu'elle a vu Bagheera, donc elle a un peu balancé. Au round d'avant, par contre, elle a essayé de la préserver. Ouais. Bah, en fait, j'ai dit que ouais, j'avais vu Bagheera. Alors, je pense que c'était pas elle. Franchement, mais en fait, c'est ça. C'est que le round d'avant, vu comment elle s'est énervée, j'ai l'impression que c'était pas elle. Et par contre, comme je venais d'admin, j'ai vu qu'il y avait genre 3-4 personnes au 2, etc. Il y avait une personne spécimen et il y a une personne qui est rentrée labo au dernier moment. Qui c'était? Enfin, du coup, avant que j'aille. Nous, on est resté à gauche. Ah, nous, on est resté à gauche. Moi, je sors de labo, là. Je suis resté à gauche, moi. Donc, je soupçonne que si vous étiez tous vers la gauche, ce soit les deux personnes qui étaient vers spécimen et labo. Voilà. Et donc, c'est qui, à part moi, qui était à ce moment-là? J'en sais rien du tout, mais je pense que le kill a eu lieu là-bas. Personne, c'est DFG, en tout cas. Ultia et DFG. Pourquoi je pensais qu'il était. Pourquoi? On sait pas où il est, le corps. Donc, elle est. Je comprends pas. Pourquoi on sait pas où il est? Excusez-moi, mais. Parce qu'il a buzzé. Moi, je pense qu'on vote ou pas? Moi, je pense qu'on doit voter parce qu'on sait pas si Bagheera est pour qui. Bah, on hésitait entre Bagheera et Lil Wayne sur le premier kill. Voilà, il reste plus que elle. Il reste plus que elle sur le premier kill. Hein. Oh ouais, non. Ouais. Comment c'est possible? Ah bon, bravo à tous. Bravo. Bon, faut espérer que Bagheera était bien. Non, mais elle est pas. Moi, je pense qu'on s'est royalement fait arnaquer. Moi aussi, je pense. Bagheera, le deuxième kill, elle aurait pas pu le faire. Mais avant, ça date d'avant l'arnaque. Le premier peut. Mais moi, je pense qu'on aurait dû voter Little Big Whale parce que. Mais on s'entend de loin là, what the fuck? Quasi sûr. Ce qui m'inquiète, c'est pas que Antoine, en fait. Antoine... Bah si, c'est possible. Vrai, en soi. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment vu, en tout cas. Ça pourrait être, Antoine et. Ouais, avec Antoine. Hein. Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Je peux pas buzzer, les amis. Ouais. Bon. Ah ouais, bah ouais. Bon. Bon, bah... on s'est fait avoir, voilà. Allô? Que Antoine avait insisté dès le round 1 pour c'était sûr c'était elle. Mais oui, c'était lui. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça, en fait. Ouais. Moi, j'ai sauté sur le fait que Domingo ait dit dès le départ, c'est peut-être Bagheera. Oui, oui, ouais, oui, voilà. C'est vrai. Et j'ai pas eu le temps d'appuyer ça là, à ce conseil. Du coup, j'ai pas voté en stun, mais ouais, je pensais bien qu'on s'est fait arnaquer. Ouais, oui, pareil. Bref, en tout cas. C'est pas interrogation, on la connaît pas. Donc, c'était. Donc en fait, le premier kill, c'était Little Big Whale dans la masse. Non, c'était Antoine. Ah, c'était Antoine. C'était moi. Ok, ok. Waouh. Je ne fais pas que des kills dans la masse. Vous avez tué tout le monde, là? Ouais. Juste une chose, par contre. Ah oui. Je trouve que la portée de discussion... Oui, on l'entend. Oui, c'est bon. Là, ça va être bien. Il l'a réglé. Testez maintenant, si vous voulez. Testez maintenant, vous allez voir. C'est qui Verclair? Ultia, c'est toi? Il faut que tu reviennes. Ultia, on te voit pas. Moi, je vois pas. Ouais, je vois pas Ultia. T'as des points d'interrogation à la place de Frontozo. Ultia game, il revient. Ultia. Mais genre là, Rivenzy, tu m'entends pas là? Non, je t'entends un tout petit peu, mais. Ultia? Ouais, ça vous parle bien, c'est mieux? Ultia. Vas-y, Rivenzy, dis quelque chose. Allô, allô. Bon, on t'entend très peu fort. Mais... On t'entend encore. Vous voulez que je passe? Un peu faiblement, quoi. Je l'entends un peu, mais je suis tout en haut, je devrais pas l'entendre de plus là. J'enlèverai un mètre de plus, moi, je pense. J'enlèverai un ou deux mètres de plus. Allô, allô. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, Ultia. Et là maintenant, on parle. Vous m'entendez quand je parle et que je suis en bas à droite? Ça a pas changé, on t'entend. Après, c'est peut-être que ça se lance que dans la game. Ok, non, faites tous contrôle R sur le truc. Sur le crawling? Ouais. Re, alors, voilà. Vous m'entendez ou pas maintenant? Quand je suis loin. Parle, Rive. Non.
Du coup, il n'y a pas encore ouais, de shérif, hein, on est d'accord, ce sera plus tard peut-être. Ah, c'est mieux, c'est mieux, là, on s'entend beaucoup moins. Je vous entends plus, je vous entends plus. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est parfait. Ok. Bon, on laisse comme ça, non? Eh ben, on laisse comme ça, let's go. Ok. Ouais, c'est mieux. C'est clairement mieux. Oui, allô. Ouais, c'est parfait. Quand vous me dites, il y a encore de la marge. On jouera avec le shérif plus tard, les fleurs. Normalement, plus tard. Merci, Nubuck, pour le 7ème mois d'abonnement. Merci beaucoup, Nubuck. Allez, c'est parti, on passe en emote only. Boum. Let's go. Let's fucking go. Je t'ai mis un vent, Baguera. Merci Roacid pour le 8ème mois d'abonnement. Merci beaucoup Roacid. On pourra bientôt te regarder tous les deux, trop content. Trop mignon Roacid. Merci beaucoup. Baguera. Baguera. Qu'est-ce que tu. Pardon, Lil White. Oui, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fous? Bah, je pré-shot les lights. Quand elles vont s'éteindre. C'est hyper suspect pour quelqu'un qui a été tout à l'heure, tu vois, c'est hyper suspect. Ah oui, tu trouves? Oui, c'est hyper bizarre. Bonjour Riv. Est-ce que Riv, attends, tu trouves, tu trouves pas ça bizarre que Lil Whale elle aille au light alors qu'il se passe rien comme ça? C'est vrai, mais ça, mais Lil Whale, pourquoi tu vas au light alors qu'il se passe rien? Je vais buzzer, je vote pour toi. Ok, d'accord. J'y vais, let's go, je te suis mec. Okay, okay, les pires joueurs, les pires joueurs. Ah bah voilà, tu vois, tu vois. Tu vois, je t'avais dit. Bah oui, mais t'es pas resté, tu t'es pas écouté, tu t'es pas fait confiance. Tu vois, et en fait c'est ça ton problème, il faut que tu te fasses confiance. Et ouais, tu te fais pas confiance, tu vois. Et tu vois, vous avez raison. Sois grand. Ouais. Fais-toi confiance, tu peux te faire confiance. Ouvre tes ailes, déploie tes ailes, ok. Sois aigle ce soir, sois aigle. Ça marche. Super, super. Allez, bon, allez, à toutes, on va faire quelques tâches quand même. Tu es un aigle Antoine ou pas toi? Comment? Je fais les caméras, super. Allez, on y va. Il y a Ponce avec moi aux caméras. Ouais, je suis là, je suis juste à côté de toi mec. Tranquille. À tout moment, te tue bra. Ok, bro. Bra. Je suis pas bro. Bra. Y'a Ultia qui arrive. Y'a Ultia qui arrive. Y'a Ultia qui arrive, j'ai vu, attends. Elle est là, elle arrive, elle est juste ici. Ouais, comment elle va celle-ci? C'est mon anniversaire surprise. Non, pas du tout, on est aux caméras. Ah, ok, bah. Des petites cams. Attends, j'ai pas encore fait de tâches, je vais aller en faire au moins une, d'accord? Vas-y. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Quelle régalade. Au revoir, monsieur. Hop. On entend à travers les murs aussi, on n'entendait pas comme ça l'autre. Bah attends, attends. Tu m'entends? Attends, mais reste où t'es? Mais c'est pas un mur ça. Bah, c'est pas un mur ça. C'est que, c'est, ah bon, c'est quoi du coup? Bah tu sais, genre en gros, là par exemple, est-ce que tu m'entends? Vas-y, parle. Tu m'entends? Bah oui. Tu vois, mais... c'est pas normal. Bah si, c'est normal. Bah c'est normal, ça. C'est grand ouvert ici, regarde. C'est normal. Ah ouais. Que tu fais ouais. Genre vraiment à l'instant. Je suis désolé, okay, mais je sais qui c'est. Il y a une personne là-bas. Oh, les caméras. Il est non, mais je sais qui c'est, je sais qui c'est. Ah, bah, d'accord. Ah, oui. Yes. C'est Ultia. Mais voilà. C'est Ultia. C'est Ultia. En vrai, c'est le pire move. Regardez. Ça fait mal. Je fais à l'instant. Voilà. Mais non, pas du tout. Alors, attends, excusez-moi. J'ai un micro-doute en fait. Ah non. Je vous explique ce qui s'est passé. Non. J'étais aux caméras. Et quand j'étais aux caméras, j'ai vu Ponce et Ultia en bas, tout ça, voilà. Je confie. Et le truc, c'est que en fait, effectivement, Ultia a laissé Ponce dans la pièce où il y a les bouteilles d'oxygène. Oui, et c'est du vrai. Du coup, je suis allé vérifier, je suis allé voir si il y avait pas eu le meurtre. Il y avait le meurtre, mais le truc qui me fout un petit doute, c'est qu'il y avait aussi JDG qui était à O2 à ce moment-là. Alors, si je peux me permettre de donner ma version des faits. Non, ta gueule. Nous étions en effet, en fait, de base, on faisait poubelle avec Ponce, on testait le proximity machin. Ouais. On arrive à O2, moi je fais ma task, je repars. Là, j'entends JDG parler. Je remonte à l'arbre de vie, j'étais en train de faire ma quête. Okay. Et là, Ponce est mort. Mais en vrai, là, tu m'as tué en fait. Je vous comprends, mais je pense que c'est JDG du coup. Moi pour le coup, du coup si tu dis ça Ultia, c'est que c'est forcément toi en fait, parce que moi justement j'étais en train de parler avec Antoine, justement je descends, je vous croise côte à côte, je fais un petit truc sur ma cam et Ponce, je sors par l'extérieur et je dis à la caméra, mais à ce moment là c'était éteinte, je dis il y a Ultia et Ponce, je dis à voix haute, on n'entend pas d'ailleurs ce qui se passe sur les caméras avec ce mode là. Ah oui, d'accord, merde. Oh c'est dommage. Ouais, ok. Bah du coup c'est con parce que j'avais dit à la caméra il y a Ultia et Ponce,
je remonte dans la salle et je croise Ultia qui sort de la salle avec l'arbre et là je croise Antoine qui descend okay. qui c'est pas mieux là donc, bah, c'est un détail que j'ai fait, c'est la merde, c'est Ultia tranquille. Non mais moi je suis vraiment sorti de la salle avec l'arbre, j'avais plus mal à croire JDG, je suis quasi sûr que c'est Ultia vraiment, et que ça soit Antoine qui accuse encore après avoir fermé le fait. Non, je rajouterais que juste j'ai croisé Ultia au premier light côté labo où elle est venue, elle est repartie en mode ah bah non finalement j'ai rien à faire côté labo, je viens de là, je sais pas quoi. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit vu qu'il y a beaucoup de monde, je me split. C'est ce que j'ai dit. Je vais voter contre Ultia. La seule solution, si c'était pas Ultia, c'est que ça serait un Venkip. S'il vous plaît, je redonne ma version des faits, je vous promets que ce n'est pas moi. Vas-y, on ouais, était donne. Juste en train de faire la poubelle avec Ponce, on est allé faire l'eau 2 ensuite. Et à ce moment, on faisait les tests de proximité. Et ensuite, JDG a dit la même chose que moi. Ensuite, j'étais à l'arbre de vie. Allez, je prends le doute, mais grosse pastille sur Ultia, mais je garde le doute. Grosse pastille, grosse pastille. Moi, grosse pastoche, comme moi je suis quasi sûr que c'est elle. Il y a de la pastoche. Ou JDG, un des deux. Très bien. Je peux pas être JDG, je pense pas. Bah. Ah ouais, tu défends ton mec. Ou alors c'est un... Non, on a fait une bonne partie. Elle est même pas morte. Je comprends pas. Ça m'étonnerait, quoi. Elle est même pas morte sur ça. C'est un scandale. C'est un scandale, what the fuck. Je vous jure, je suis choqué. Je pensais vraiment que ça allait être bon. Je suis tech. Elle va faire un massacre, mais de ouf. C'est free win là pour elle. Allez, plus vite, plus vite. Hop, let's go. Et comme ça, je prends un petit peu le temps de vous remercier. Merci beaucoup, French, pour le Prime. Bienvenue à toi, Trago. Merci aussi pour le Prime. Anthony, merci pour le 10e mois. Clara Doc, merci pour le 2e mois. The Wild Healer, merci pour les 200 bits. Hotwist, merci pour l'abonnement. Et Ferti, merci pour le 3e mois. C'est trop mon best-tout. Mais je suis un peu triste de plus être en télétravail car du coup je loupe les lives la journée. Il y a la chaîne replay, ça va. Voilà. Merci Magic pour le Prime. Merci beaucoup Magic pour le Prime. Bienvenue. Non, mais pas du tout. Attends. Je promets que ça doit être un Venkil ou JDG. J'ai vraiment dit ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait ce que j'ai dit. Ok. T'es encore là, toi ? Je suis ici et je parlais un peu avec Antoine. Très bien. Ok. Ok, bon, ça mytho quoi. C'est un mytho tranquille ou bilou quoi. Le replay c'est pas pareil. Ouais, je sais que le replay c'est pas pareil. Mais c'est pour ça que je live le soir. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas suivre le soir. Et que c'est important parfois de. Bah c'est. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas suivre, pardon, la journée. Et donc ça m'importe de streamer le soir pour justement aussi. Retrouver les fleurs du soir quoi. Qui sont pas dispo la journée. D'ailleurs, on a fait le reveal de la proc tout à l'heure, évidemment. Comme tous les lundis. Et le live qu'il y aura le soir cette semaine, ce sera jeudi. Et ce sera sur Pokémon Colosseum. On continuera l'aventure dans le canap. Ça va être cool, chill. Very chill. Merci, Floulb. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Mince, qu'est-ce qui se passe ? Invitation de Bourville moyenne. Mais il y a de la fête par ici. Les gens du Québec. Bah ouais, par exemple, les Québécois. Ouais, tout à fait. Salut ! Par exemple. Il y a un shérif dans la game. Non, il n'y a pas encore le mode shérif. D'ailleurs, si jamais les modérats fleurs, vous êtes chaud, vous pouvez tout à fait l'enlever du titre. Le mode shérif, on le mettra probablement plus tard. Voilà, je précise. Il y a le programme de la semaine de Ponce quelque part. Alors, le programme de la semaine, il est dispo dans l'onglet programmation qu'il y a sur Twitch. Et sinon, il faut que je le mette sur Instagram et sur Twitter en flit. Il faut que je le mette, ouais. Là, est-ce que ça marche ? C'est quoi, shérif ? Bah, vous verrez quand on le fera. Vous verrez quand on le fera, si jamais on le fait. Mais normalement, on le fait. Ça va être très cool. Merci, Cielda. Merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue. Le shérif, c'est un crewmate qui peut tuer, qui a le droit de tuer, qui a un cooldown très long sur le... il a un cooldown très long sur le kill, mais il peut tuer. Par contre, s'il tue un crewmate, il meurt. C'est le shérif qui meurt. Mais bien sûr. Je te suis sur la mid lane. Attends, avec JDG on parlait parce qu'il me demandait ce que je faisais toute seule dans le couloir. Ok, je vas-y. Que mon jeu lag. Pute. Ah ok. Voilà. Merci beaucoup Louan Ben. Merci pour l'abonnement, bienvenue. Il me pute. Attends, est-ce qu'il est encore en train de gueuler? Ouais. Il est là. Merci Pongoulin pour ce prime, bienvenue. Il est drôle quand même, hein. Il est drôle mon pote Riv. Vachement marrant. J'aime beaucoup. On va suivre le tien. Ah bah si, on entend sous les cams au final. Ouais. Oui, on entend sous les cams. Ok. MV Domingo.
Je veux te dire, Ultia, bon, là j'ai tout fait ici, mais je change d'avis. De retour voilà. Sur d'accord. La midlane pour aller vérifier les cas. Alors attendez. Normalement, l'imposteur t'entend quand t'es en fantôme. Tu m'entends, Ultia? Qu'est-ce qu'à faire? Faut que je me dépêche là. Par contre, vous voulez pas vous insulter? Non, c'est impossible. Tu m'entends pas, Ultia? D'accord. Ultia, tu m'entends? Parce que sinon, je vais hanter. Bon, qu'est-ce qui est mort là? C'est pas possible, ça kill pas du tout. Mais stop, jouez la comédie, menteuse! Menteuse! Il y a que moi qui suis mort? Oui, coucou. Je vais chercher. Oui, j'essaye de m'innocenter en fait. Je pense que c'est bon. Bagheera a changé d'avis et tout, donc c'est pour ça. Ah. Cool. Ok. Kefa, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des tasks, il t'en reste où? Merci Razovski pour le 23e mois. Merci beaucoup Razovski. En haut, à gauche. Tu dartes. Okay. Merci à toi. Allô? Je suis vraiment le seul à être mort de toute la game là? Quel on game entend, de merde. On entend, ah, ça marche, alors. On entend au cam en fait. Je suis le seul, ouais, je suis le seul connard à être mort de toute cette game là. Le petit filtre j'en rigolo. Peux plus. Bon, qui arrive pas à tuer là? Ah, d'accord. Pas. Mais faites vos quêtes là, c'est fini de toute façon. Moi un PA ici là. Vas-y, j'arrive. Ah là, viens là. Ah ok, pardon. Je préfère un kill. Sur le miroir, sur le miroir. Ah, j'ai tout fini moi. Magloder Grind, merci pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Bah alors. Alors, on s'est dit que c'était un kill facile ça? Octaval, merci pour l'abonnement de niveau 2. Merci un maximum de fleurs, merci beaucoup. Bon, je suis le seul mort, ça me saoule. Merci Sinis pour ce 5e mois. Thank you Sinis. Putain, je vous ai entendu derrière, c'est tellement long, mais y'a personne qui kill? Non, mais il veut buzzer, donc... Moi, laisse-moi faire mes tâches avant de buzzer. Ah bah y'a les lights. Tu peux pas buzzer, y'a les lights. Attends, laisse-moi faire mes tâches. J'en ai deux. Je suis vraiment le seul mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi. Pourquoi j'ai entendu Domingo? Il est là? Domingo, ah ouais, mais on entend super loin. Domingo, il a commencé. Ah. C'est Trivia et je sais pas qui. Je pensais, alors je voulais faire bon, le bah, tour. C'est Ultia, hein. C'est Ultia 100%, puisque il reste deux si, tâches, c'était, hein. Pas, si c'était pas JDG, c'était Ultia quoi. Ouais, je pense que c'est Ultia. Vrai. On avait encore l'hypothèse du Ventkill, je vous rappelle. Non, pardon. Mais non, pas de Ventkill, y a pas de vent dans cette salle en fait. Y a pas de vent dans la salle de l'oxygène. Merci Captain Timo pour le 10e mois. C'était l'hypothèse de. Ouais, non, je l'aurais vu à la cam. Moi, je pense que c'est Ultia et Bagheera. Non. Ah bon? Bah, en fait, moi, j'ai fait exprès de être avec des gens tout le tour alors que c'est pas mon genre de faire. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu. C'est pour ça qu'il y a, c'est pour attends, ça qu'il y a eu très. Moi, non, mais justement, Ultia, c'est pour ça qu'il y a eu très peu de kills et beaucoup de tâches faites en fait. Non, moi j'ai. En fait, genre, j'étais avec MV Bagheera près de. Oui, je t'ai entendu. Près de Vitals, etc. J'ai fait le tour. Parce que moi au début je voulais buzzer parce qu'il y avait pas de... Mais là les kills ont été très récents. J'ai les kills ont vraiment été très récents. Ah non, il y a des VG aussi. Antoine, qu'est-ce que tu faisais au niveau de communication? Parce que je faisais ma dernière task. C'est ma dernière. Attends, mais. Mais là, il aura l'extérieur. Je l'ai entendu. Tu m'entends, on peut se parler quand on est mort. Ah sérieux, mec? Mais ça veut dire que le corps il est juste à côté. Tu m'entends là? Non, moi je suis à côté de la VAR. Tu m'entends là? Je suis genre au niveau de la grosse pierre. Ah, ok. J'ai trouvé des VG. Ah, ok. Ah, ok. Je savais pas du tout. On peut parler entre morts. D'accord. Quand tu l'as entendu. Par contre, c'est l'enfer parce qu'on entend les autres du coup. Oui, du coup, on peut pas parler. Oui, c'est un enfer. Pour mieux les vivants. Bah en fait, je pensais que peut-être Bagheera avait tué les tués MV ou je sais pas quoi. Je me suis dit, je me fais un petit délire. Ah, c'est bien de parler entre moi, mais c'est chaud. Et au final, il y avait le merci beaucoup Léonix pour le 3e mois d'abonnement. Merci. Et aux alentours de communication, tu n'as pas bougé. Je crois pas qu'il y ait de quête à gauche de communication. Et en plus, le fait qu'il tryhard autant sur moi, genre ça me fait penser au tour d'avant quand il tryhard sur toi parce que c'était coupable. Il aurait tué. Si seulement elle t'entendait. Moi, je pense qu'il faut suivre. Moi, je veux dire ma théorie. Je pense que de je pense très sincèrement que Ultia est restée avec plein de gens pour s'innocenter, c'est pour ça qu'il y a eu très peu de kills et qu'on a pu faire beaucoup de quêtes. Oui, mais il y a un deuxième imposteur. Ouais. Oui, je pense oui, non, il y a toujours deux imposteurs. Mais moi, skip, quêtes, moi, j'ai fini mes quêtes, hein, je les ai finies sur mes deux affaires. Il reste avec deux quêtes, c'est ça? Il y a eu un kill, on était quatre, c'était ni Antoine ni moi, parce que je suis mort. Aussi. Je pense que c'est... Pour moi, c'est Ultia la question. C'est qui le deuxième? C'est ça la question. Bien sûr. Bah, de toute façon, il reste très peu de tasks. Moi, donc, j'ai deux tâches oui. À la boîte. Ok. Bah, c'est vrai que c'est... Mais du coup, elle est morte, on peut se parler entre nous. Moi, voilà. Bagheera, moi, de mon côté. Attendez. Une seconde. Je fais nimp. Il est mieux l'overlay là, les fleurs, non? J'ai mis l'overlay là, il est mieux, non, en vrai? Attendez, peut-être plus à gauche. Peut-être plus à gauche. Attendez, je tente des trucs. De toute façon, on a gagné, hein. Tranquille. Left, boom. Peut-être plus à gauche, non? C'est peut-être mieux comme ça, en vrai.
je pense. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Hop. Oh, c'est un peu pareil, quoi. Mais c'est mieux à gauche. Il est mieux en haut. Ouais, mais en haut, il reste pas. C'est trop chiant, non? En haut, il reste pas. Bon, on a win. On a win. Merci beaucoup Green Weaver pour l'abonnement, merci Aris pour le 4ème mois, Jack Bai pour le 3ème mois et Maeva pour le 2ème mois. Tu vas faire les Pokémon Diamant et Perle quand ils seront sur Switch? D'où tu préchotes ça? Mais oui, du coup. Oui, 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 reste le 4. Oui, en fait, ouais. C'était trop dur. C'était risqué là. C'était, j'étais avec Trivia. Mais ah. Ouais, je me suis, en gros, je me suis innocentée tout le tour parce que du coup, en fait le, j'ai kill Ponce parce que le kill était trop beau. Genre, il me tapait la discute depuis 5 minutes et tout. Oui. Il me faisait trop de la peine. Oui, j'étais dégoûtée. Oh. C'était énorme. Je me suis. Ouais. Mais c'était très drôle. C'était très drôle. Et puis au final, voilà, c'est plus. Mais bah oui, mais pour c'est du coup, c'est un tuant que tu t'es grillé quoi au final. Parce que du coup, c'était évident que c'était. Mais en fait, le truc, c'est que les tâches avançant. Il fallait faire quelque chose et je voulais kill la première personne que je voyais. Il s'avère que c'était toi, donc. D'accord. ça s'explique. Là, ça s'explique. Je peux baisser encore un peu la distance si vous voulez. Vas-y. Parfois c'est entre les murs en fait, j'ai l'impression. On s'entend dans le noir, c'est juste un peu dommage dans le noir, pour les caméras de pas entendre les caméras. Si on entend dans les caméras. Les caméras fonctionnent et si vous voulez pas vous entendre, faut couper les coms. Si vous coupez les coms, on peut plus parler. D'accord. Ah. Ok, d'accord. Si jamais il y a un remake Diamant et Perle sur Switch, évidemment je les ferai. Évidemment. Vous pouvez entendre les morts. Vous pouvez hanter les gens, ça s'entend de très très loin. Le son est pas fort. Ça peut être rigolo de. L'enfer. Est-ce que le cauchemar Ouais, tu nous dis. Quand t'as tout fait, ouais, tu nous dis. Est-ce que vous voyez mes chapeaux? Tu m'as dit quoi? Oui, on voit tes chapeaux. Oui. Dans le doute, que tout le monde rafraîchisse le chronique là, ça peut être pas mal, je pense. C'est refresh. Voilà. C'est refresh. Bon pour tout le monde. C'est bon. C'est refresh. Eh bien, allons-y. Oui, on t'entend bien. Oui. Ok, let's go. Oui, bien joué à toi. Ok, let's go. Ok. Et on est reparti. What a life. Je viens de réaliser. Je vais tourner ma petite clé. Allez. Ça part. Je vais tourner la mienne aussi. Ok, c'est bon. Les lights déjà. Oh là là, Elle s'est bloquée, ça c'est clairement, ça c'est très bien, c'est très bien. La stratégie de la porte. Moi je pars à gauche. Oh le stack kill, allez j'y vais, le plan Huck. Le gros plan Huck. Arrêtez. Je touche à rien. Le gros stack kill. Hello PA. Salut mon petit pote. Petite cam au calme. Ça se pose. Ça se pose mec. On entend les voix du coup? Bah je sais pas là, ça a plus l'air. Si, j'entends Rive. Si. Ah oui, ok, oui. Il faut savoir ressortir. Vous savez, il faut utiliser. Qu'est-ce qu'il raconte? T'es sur une petite game impo, toi? Non, bah moi, de toute façon, c'est de la merde hein, tout le temps. Hein. C'est crewmate, frérot. Hein. Moi, on est sur. Et toi? Tu veux qu'on joue ensemble cette game? Tu veux qu'on la play ensemble? Nah, c'est pas. Tu te foutrais pas de ma gueule en tant qu'imposteur, tu vas me tuer? Tu vas aller un peu labo avec moi, toi, tranquillou. Ok, tu sais quoi, je te fais confiance, vas-y, je te suis. Ça me fait plaisir. Vas-y. Allez, les gars. Attends, il va me tuer ce bâtard. Moi j'ai rien à faire là, PA. Hein. T'as aucune quête genre partout toi? Si, j'en ai. si, pour savoir, c'est par curiosité enfin. Non, normal. Attends, je vais mettre les lights, j'arrive. Ok. Allez, en fait, si, mais moi, mais pas là en vrai, pour le coup. Ok. Pas là, j'en ai un spécimen, j'en ai deux. Merci messieurs, merci beaucoup. Y'a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Mais tu sais quoi, je te suis, mec, je te suis. Ok, vas-y, va kill Rive. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah, j'ai rien, je chantais. Et bonsoir à tous! Ça va très vite là. Mais en fait, j'ai pas tant de trucs à faire que à droite. Ah, bah, venez, on va à spécimen, tranquille, tous les trois, tranquille. Ok. Plus tard. Mais c'est le même kill que tout à l'heure, sauf que c'est JDG qui l'a fait cette fois. Mais oh non. Mais pas du tout. Ok, super. Dis-moi, il est où le. Dis-moi, calme-toi. Dis-moi, il est où le kill. J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je l'ai pas fait. Oh merde. Non, mais. Dis-moi, explique-moi. Fred a tué Ultia devant les bouteilles d'oxygène une fois de plus. Jean Castex, arrêtez. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas juste dire ah ben, c'est toi qui l'a fait, voter et puis basta, c'est trop facile quoi. Dis-moi, il est où le kill? Je ne peux pas faire genre que je ne l'ai pas vu. Mais tu quoi, il est sous les caméras? Qu'as-tu vu? Non, mais en fait, c'est très simple. En fait, il y a Ultia qui est rentré dans la pièce de bouteille d'oxygène. Puis JDG est rentré dans la pièce de bouteille d'oxygène. Ils sont restés un peu longtemps. Ok, donc tu mens.
Ensuite, mais c'est faux, je suis pas allé à bouteille d'oxygène. Je suis pas allé. J'ai vu aux caméras qui était avec moi. Je crois que c'est DFG qui était aux caméras. J'étais en dehors. Moi, je peux te dire que j'ai vu surtout MV et Trivia en train de faire des blagues ensemble. C'est vrai. DFG, ce que je veux dire, c'est que tu peux confirmer que j'étais aux caméras. J'étais à Auda et oui. Et d'ailleurs, au passage, Jean Castex qui vote tour 1. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était il y a 2 tours. C'était quand il était imposteur. Il a dit comme ça. Non, mais là, en fait, c'est sans équivoque, en fait. C'est sûr 100% que c'est toi. Comme c'était sûr à 95% que c'était Baguera, remember? Non, là, oui, c'était 95% parce que c'était 5% de mensonge. Mais là, c'est 100%. Oui, bien sûr. C'était 5% de mensonge. Moi, tu me dis, c'est sûr et certain, c'est JDG, je l'ai vu. Est-ce que le kill était sous les caméras? Non, mais en fait, je t'explique. Mais je peux expliquer mon truc ? Ulta est rentré dans la salle des bouteilles d'oxygène, puis toi, vous êtes resté longtemps dedans, tu es sorti de cette salle, je suis allé dans la salle pour voir s'il y avait une kill. Effectivement, il y en avait un, c'était Ulta. J'étais au truc avec l'arbre. C'est oxygène, c'est ça ? Non, oxygène, c'est les bouteilles d'oxygène. D'accord, moi j'étais au truc avec l'arbre. Non. Okay, bon, alors attends, mais ils ont installé des caméras à oxygène que tu arrives à voir aussi loin ? Non, en fait c'est en bas de la salle, à l'extérieur, mais tu vois aussi l'intérieur. Oui. Et oui, Fred. Du coup, t'as réussi à me voir à l'arbre. Non, c'était pas à l'arbre, c'est devant les bouteilles d'oxygène. D'accord, parce que moi j'étais à l'arbre. Non, tu n'étais pas à l'arbre, arrête. J'adore ce débat, c'est énorme. Il manque comme un arracheur de dents. Et ça ment les arracheurs de dents. Dans ce cas-là, on croit tous Antoine comme on croyait quand il avait dit c'est 95% baguette. Moi j'ai vu Antoine au cam, 100% avec PA, on l'a vu prendre le relais. Antoine était au cam, en fait ce qui est bizarre c'est que Rive et JDG étaient ensemble là à l'instant. Ah non, mais pas du tout. J'ai pas vu Riven. J'étais en train de faire. Souvenez-vous Antoine qui vote tour 1. Souvenez-vous Antoine qui vote tour 1. On s'en rappelle en vrai. T'inquiète. On le note. C'est noté moi de mon côté. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Tu te souviens d'Antoine qui vote tour 1, toi ? Putain, c'est un mec. À part ça, moi, ça me fait peur un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Baguera ? Je sais pas. Bah, le vote là, qu'on va faire. Bon, après peur, tu sais, c'est un jeu, Baguera, faut relativiser aussi, c'est bon, hein. Si tu le sens pas, honnêtement, on peut déco. En vrai, dis-nous si. On va spécimen ou pas ? Honnêtement, il y a pas de. Et nous, on joue for fun. Il y a Trivia qui s'est pris pour je sais pas qui, Sherlock Holmes, derrière là, qui se cachait. Dans Soum Soum. C'est vrai, on va la chercher. Oh là là. Non, bon. Spécimen, c'est bien. Ouais, spécimen, il y a de la quête ici. Petite spécie ici. Eh, on bouge pas. Non, on bouge pas. De toute façon, on est à l'autre. Merde, j'ai raté, putain. Une grosse merde. J'ai louche. Ouais, j'ai raté. Bah, tu sais, moi, les maths, c'est pas trop mon truc, hein. Hop. On reste là ou bien ? On va finir par bouger quand même. Ouais. Oui. Moi, c'est bon, j'ai fini là. Ok, on remonte. Moi, j'ai plein de trucs en lab. Moi, j'ai rien à lab. On est 3 gentils ? Ouais, on est 3 gentils. Bah, oui, je crois, hein. Ça va être terrible. Du coup, on rend le travail extrêmement compliqué pour les autres, quoi. Bah, ouais, après, autant je suis méchant et du coup, c'est dur aussi pour vous. Ah, qu'est-ce qu'il fait de gens ? Ah, bah, ok. Bah, je vais là. J'ai d'accord. Okay. Ok. Ah. Ah. Oh. Ah. Bro. Bon, je descends. Ah, mais t'es là. Ouais. Non, mais je sais. Attends. Ok. Bon. Bon, c'est ouais. Cool, hein. Allez, tranquille, mec, attends. Oh, quand ouais, je me mets. Ah merde. Oh putain, tu m'as fait peur. Moi aussi, j'ai pas de la meuf. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ah bah, c'est Rivenzy. Ouais, Rivenzy est mort. C'est un peu trop quand même, non ? Jérémy, Baguera et Ponce et Domingo, vous êtes encore ensemble à l'heure actuelle ? Ouais, Ponce est avec moi. Il est redescendu à Spécimen avec moi. Donc, je pense pas que ce soit vous trois, du coup. Attends, mais Domingo, je viens de te croiser à Lab. Ouais, mais ils sont juste à côté, Baguera et Ponce. Moi je suis je suis descendu à Spécimen avec Jean Castex. Mais grosso modo oui on est. Tu y es retourné pour le. Bah je voulais voir ce qu'il faisait Jean Castex là-bas quoi. Mais ouais, j'allais remonter, j'avais pas tardé. Vous abandonnez ouais. Bah pompons les épicuriens sur celle-là. Épicurieux. Côté gauche. Oh. Non gauche. Moi j'ai fait les valves avec Rive. Qui dit valve ? Ah les valves. DFG. Pour moi c'est DFG, on voit DFG, let's go. Ouais. Mais n'importe quoi. Wow, trouvez qui c'est le vrai d'abord non. Pardon. Après, votez-moi pour le même si vous voulez. Bah, à gauche, finalement, du coup, il n'y a que DFG et Trivia, c'est ça ? Ouais, et moi, j'ai fait ma dernière roue là où on a plaisanté avec MV à la cam, là.
Tout à fait. Ensuite, je suis restée admin. Et pendant que les lives, j'ai trouvé que les lives avaient mis du temps d'ailleurs à se. Bref. Et j'étais Vitals, moi. Et donc Rivenzi est mort pendant ou juste après les lights, je suis pas trop sûre. Je suis allée vers les lights et il y avait le corps de Rivenzi devant la porte. Ah. Pour aller faire les lights. Et je suis quasiment sûre que c'est pas Bagheera, ni Ponce, ni Domingo. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, MV, quand on s'est croisé à Lab. Je pense qu'il y a déjà des morts à Electrical, c'est pour ça que la lumière se remettait pas. Oui, tu m'as dit ça, il est vrai. Et du coup, c'est entre. Et j'ai en effet croisé DFG. Je peux vous expliquer, moi, ce qui s'est passé à peu près. Vas-y, vas-y. En fait, Riv, il a fait la bouteille d'eau. Après, il est resté dans O2. Moi, je suis reparti par en bas à droite. Ouais. Je suis rentré sur un petit check admin. Je suis en mode, ok, rien de fou. J'ai check vitals, pas de mort. Je suis remonté faire la node au niveau du labo. Je suis redescendu. J'ai parlé à Trivia qui m'a littéralement ignoré. Sympa. Et quand je check vitals, après, il était mort. Mais il était pas mort au début. Premier check, il était pas mort. Deuxième check, il était mort. Et tu disais quoi pour qu'elle t'ignore? Ouais, tu veux savoir exactement? Ouais, quel type de propos? Ouais. Oh, Trivia! Ah oui, elle t'a ignoré, c'est plus ou moins ça. Quand il y avait les lights off ou pas? Ça change les choses. Je voterais bien pour Trivia du coup. Je pense que tu m'as vu. Au niveau du rocher à droite. J'ai jamais vu Vitals et tout. Au niveau du rocher à droite de Vitals. Alors oui, je t'ai vu dehors, mais quand tu revenais d'en haut. Ouais, c'est ça, je revenais de la Et le corps était déjà fait, mais comme tu revenais d'en haut. Est-ce qu'on voit ta set ou pas? C'est Trivia ou deux. C'est non, mais trop risqué. C'est un peu tricky, ouais, c'est un peu tricky. J'avoue que je suis vraiment persuadé que c'était Fred. Donc ensuite, il y a un scénario où quelqu'un a fait la veine de droite vers la veine de gauche. Non, mais moi, je ne sais pas, les amis. Ouais. Mais je pense que c'est DFG. Moi, je pense que, ouais. Je pense aussi que c'est DFG. Eh bien, j'accepte d'être votre suspect numéro 1, mais ce n'est pas moi. C'est vrai qu'au tout début, DF, t'étais parti en bas, t'étais pas loin de ça, justement. Pourquoi tu serais revenu faire la valve? Très bonne question, la super. Non, mais c'est vrai. Je crois que j'attends de la poser. Énorme. Retourne là-bas, moi. Et j'avoue, j'ai pas trop bossé moi. C'est pas mal de trucs à faire. Ah, la carte, c'est toujours chiant. Qui te dit, tu es tout fast. Facile, facile. Tout slow. DF, celle-là, je peux te dire que tu vas scorer. Hein. Il faut la faire glisser cette carte. mon cochon, allez, viens là. C'est trop con. Ma fume. Merci Revuma, merci beaucoup pour le Prime. Mister Slim, merci pour le sub gift aussi. Volvic, merci pour le 4e mois. Qu'est-ce qui se passe ici même? Ok, je vais aller le faire. Merci Guirou pour le 10e mois. Merci Space Chump pour le 10e mois. Juliem, merci pour le Prime. Et voilà. Et j'en suis là à peu près. Merci à vous. C'est adorable. C'est super. J'ai absolument rien foutu de tout le jeu. Regardez tout ce que j'ai à faire. Je suis le glandeur. Ich bin der glandeur. Je traduis en quoi? Bah super, en plus quand on les fait on les rate, bah c'est génial. Super. Au top. Peut-être aller faire ça. Hein. Allez. Lame, on joue avec, on s'amuse avec ces astéroïdes, on se la régale. Ouais, salut mec, ils sont tous labos. Ils sont tous labos, ok. Et je vais sûrement être un peu suspect pour commencer à préparer si je suis imposteur dans la soirée. Je te préviens, comme toi, t'as été le centre de la veine. Donc là, voilà. Tu te prépares au cas où si t'es imposteur. Non, parce que sinon, il va y avoir un changement trop brusque d'attitude. Ah oui, donc, oui, je connais ça. Oui, 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 je vois tout à fait. Tu vois, je t'étonne pas si je suis un peu capuché, quoi. Ouais, mais pas de problème, mec. Pas de problème, mec. Ça roule. T'es hyper suspect, gros. Je vais plus te parler de mon côté. Ouais, ok, bon, je vais bouger du coup. Il m'a vraiment dit ça, ce connard. Merci Mad Monkey pour le Prime et merci Samael pour le 4e mois. Merci beaucoup. Il m'a vraiment dit ça. Il m'a dit je vais plus te parler de mon côté. Super. L'ambiance est délétère ce soir. Et boum. Hop, petit download au calme. Petite fibre. C'est rapide. Ça régale. Un vrai pote père. Oh, j'ai vraiment rien foutu, hein, j'ai tout à fait. Hein. Je suis le pire enquêteur, en plus j'enquête 0, encore un upload. Pff. Heureusement qu'on est fibré, je vous le dis, sinon ce serait l'enfer ces quêtes. Hein. Hop, terminé. On enchaîne sur ça. Après température, après laboratoire, et c'est nickel. Yeah. Merci Pagoun. Merci pour ce 12e mois Pagoun, c'est très gentil. Je vais aller au light instant. Hein. Ah, quelqu'un les a remis déjà, qui c'est? Ouais, que ça c'est étonnant. Okay. C'est vraiment pas du moi mon pote. Ouais, c'est un peu bizarre ça quand même. Ok. Ça sera du qui. Ok. La PA qui descend là.
Ok, parce que là, va falloir un petit peu focus sur la situation, parce que... Parce qu'on rigole, mais on n'est pas là pour s'amuser. Bonsoir. Bonsoir. La porte est ouverte, ouais. Ouais. Merde. La porte est fermée. Ok. Ah. Ok. Oulala là là. Bon, allez, c'est DMG, oui. Hein. Que ça chasse, hein. Mais ah non, là mais là c'est là, pas ouais. Moi. Je suis avec toi en plus. En gros. T'étais plus avec moi. Ah, oui, ah moi la dernière fois que j'ai, vu PA sur la porte du croisement genre. En fait la dernière fois que j'ai vu je suis sûr à 100% que c'est pas MV. Je suis sûr à 100% que c'est pas MV. En gros, je pense pas trop que ce soit Ponce. Bah moi la dernière après les cams ouais, vas-y Ponce. Juste bah en fait la dernière fois que j'ai vu PA, vraiment il était à côté de Jean Castex et DFG et il est descendu vers O2. Jean Castex était au cam. Et moi après j'ai croisé MV bah plus tard on s'est croisé là il y a 5 secondes. Vous étiez à la oui. C'est ça. J'étais à rentrer parce que j'avais peur justement. Ah ok. Je t'ai retrouvé enfermé dans la salle à la fusée pour te prouver que j'étais encore au cam mon cher Ponce. Ah oui bon bah. Bon bah... En gros, voilà, j'ai passé beaucoup de temps au cam avec Antoine, puis PA nous a rejoint. Je me suis dit, bon, là, je vais les laisser, j'ai fait toutes mes quêtes, je vais aller voir Vital. J'ai vu deux morts, Trivia et Bagara. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait deux corps à lab sur la table d'admin. Je suis allé à lab et en effet, j'ai report Bagara. Et j'avais peur d'aller à lab justement quand j'ai retrouvé Ponce parce que j'avais peur qu'il y ait un cimetière de corps à laboratoire. Alors, je peux te dire qu'au lab, je suis parti spécimen et on m'a vu avec la porte dans le fog. Et il y avait Antoine, MV, il y avait tout le monde en fait, on était tous les quatre, non? Où ça? Peut-être pas Ponce. Hein laboratoire vers... au début du round, non? On parle pas de ça? Au début du round, j'ai oui, été spécimen avec Antoine, Bagara. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont morts par la suite. Bah, en gros, à ce moment-là, moi je suis parti spécimen. Et normalement, vous m'avez vu partir, mais je sais non, pas. Non, mais je me souviens parfaitement qu'on hésitait entre toi et Trivia est morte. Quoi, ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok, bah du coup, je savais pas, mais c'est pas moi qui. Enfin, j'étais plus. Ouais, bah. Non, mais en vrai. Attends, je continue. Je peux au moins m'expliquer. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas moi. J'expliquais à PA que c'était pas moi, mais malheureusement, PA est mort, donc c'est un peu chiant. Du coup, je suis parti à Spécimen. Ensuite, je suis remonté. J'ai checké admin. Il y avait deux cams et il y avait trois ou quatre labs, je sais plus exactement, avec un qui était à storage. Je suis remonté aux caméras parce que j'avais filmé TAS, du coup, vu qu'il me restait que le Simon au Spécimen que j'ai fait. Je suis remonté, je suis venu au cam en mode est-ce qu'il y a un rapport machin. Je vois PA qui part en bas. Et en fait, quand je veux suivre PA dans le couloir, la porte se ferme. Au début, je remonte en mode pour venir dire Antoine, oh, tu me fais chier. Et en fait, je vois qu'il est vraiment sur les cams. Et après, fin de round, ça buzz. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que t'as checké l'admin sans aller checker les vitals après. Ah, si, j'ai checké vitals, tout le monde était mort. Et tout le monde était mort. Alors qu'au round d'avant où t'étais innocent, t'as buzz dès que t'as vu qu'il y avait un mort à vitals. Non, parce qu'on était pas sûr d'avoir visé deux imposteurs. Alors que là, on est sûr que j'ai DG out. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Ok, tout pointe vers DFG. Ouais. Ensuite, vu que Domingo est mort avant, il y a un scénario où Ponce va pas punter parce qu'il n'y a pas de cooldown, mais quand même, bon. Ouais, moi je pense sincèrement que si vous voulez voter quelqu'un, bah c'est mieux de skipper. Parce que là c'est pas moi donc vous avez l'air non, de partir sur moi. Ouais mais non parce que là au vu de tout ce qui s'est passé, c'est vrai que t'es quand même le plus suspect de loin. Ouais, tout à l'heure on hésitait entre Bagheera. C'est vraiment pas ça donc dommage. Ouais, bah, alors sinon c'est bravo Ponce hein, bien sûr. Ouais non mais merci. Tu merci. Mérites la victoire. Tu mérites la victoire. Si merci beaucoup. Merci. Je suis très chaud. Bien sûr. Bien joué non franchement. Bah voilà. Bravo. Bravo. Tout simplement. Sur moi simplement. Une démonstration. Et désolé JDG hein, mais vraiment. Merci Ivanov pour le 5ème, merci Anageek pour le Prime et merci beaucoup Orkirito pour l'abonnement aussi. Merci beaucoup. J'ai chanté toute la game. Bravo. Et je viens de capter un truc, c'est qu'à la fin, quand il y a l'écran avec écrit qui gagne, etc., on peut continuer à parler tant qu'on met pas continuer la partie. Si on continue la partie, exactement. Du coup, on change, c'est ça? Ok. C'est fou, je savais pas du tout que l'angle de caméra elle était aussi large. Oui, en fait. C'est très très large, ouais. Ici sur cette map surtout tu vois l'intérieur ouais. Ouais. C'est la première fois que je suis imposteur depuis 4 mois donc. Normal. C'est moi ça fait très longtemps que j'ai pas été imposteur. Très très longtemps. Du coup l'imposteur il entend les fantômes. Ah oui on entend les fantômes de loin. Je sais que Rivenzy m'insultait beaucoup et il cherche peut-être très bien. Moi c'est marrant ça. C'est plus ou moins le débrief. Ça devait pas être moi à mon avis. Je pense que c'était Bagheera à mon avis mais. Moi, j'ai fait un petit Ave Maria à un moment. Ah, peut-être, oui. Il y a peut-être eu ça aussi. C'est bien ce que je pensais, oui. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, ouais. Ah, je vous le dis, c'est ma gamme. On est bon, on se lance Vous voyez bien ma fleur, là? Envoie-nous ça. C'est pété, ma main. Ah, vous voyez ma fleur? Non, on n'a pas mis à Sheriff encore. Inch'Allah. Yes, putain. Quand vous voulez d'ailleurs. Let's go. Imposteur là. Non, Sheriff ça bug pas. T'inquiète, Sheriff ça bug pas. Tournez la clé de la bagnole, faites pas les timides. Toujours aussi peur. Toujours aussi peu rassurant quoi. Bagheera, 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 Bagheera.
Allez. Ultia, 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 Ultia. Oui. T'as pas ta fleur? Mais putain, mais je vous ai demandé dans le lobby, vous la voyez, personne m'a rep. Bah, tu sais que tout le monde parlait en même temps et tout. Je m'en vais. La tête haute. Au revoir. Ok. Je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté. Sérieux, on voit pas ma fleur, ça dégoûte. Merci Just Over Smash pour le 9e mois. Merci Kirira aussi pour le 3e mois. Merci Najik pour le 2e mois. Et merci Starkistra pour le 3e mois. Merci à vous les fleurs pour ce soutien. Merci beaucoup. Luma qui pleure. La tristesse est éternelle. Ouais. Okay. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Enchanté, mec. Enchanté, bonsoir. Excusez-moi. Vous voyez pas ma fleur, on est d'accord? Non, si, je vois rien du tout, t'es tout nu. Ah non, moi je vois ta fleur. Mais... Elle est rose avec une tige verte. Ah, moi je te vois tout nu. Arrête, c'est mon zizi, arrête. Arrêtez. Christian qui m'a mis un demi à 5000 balles. Quoi? Un demi à 5000 balles. Quand même. Quand même. Christian, de quoi vous parlez? Ah mais c'est vrai que j'avais mis celle-là, attendez, celle-là c'est laquelle? Celle-là c'est la très très grave il me semble. Oui, celle-là c'est la très grave, il me semble que celle-là... Attends, je sais, je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Ou c'est l'inverse? Non, si. Je sais plus. Non? On sait rien, non. Celle-là? Non, celle-là c'est aigu. Putain, je m'entends pas, c'est un enfer, je sais plus. C'est quoi cet effet de merde là? C'est quoi ça? Je raconte une petite blagounette. Ouais, dis-moi. Ok. C'est un camionneur qui s'arrête dans un resto-route. Ok. Il arrive au comptoir, il pose ses énormes couilles sur le comptoir et il dit « J'aimerais un steak gros comme ça. » Ok. Et là, la serveuse lève son tablier et lui dit « Essayons comme ça, je suppose. » Ok, excellent. Il repart. Super. Super van. Là, c'est parfait. Là, c'est super. Super van. J'ai rien à foutre ici. Super. Mais c'est qui, ça? C'est encore Ultia? Je le dis, c'est Antoine le coupable. Hein. Mais c'est encore Ultia. Mais j'en peux plus, putain. C'est tout le temps. Mais il y a mon corps. MV. Oh. Ah, c'est fou. Alors ça c'est honteux. Antoine très louche. Hein. Bah. Antoine, ouais. Mais oh non, c'est mort. Oh, c'est dégueulasse. C'est mort. Okay. Très très louche. Alors j'ai trouvé Ponce. Merci Lumenia pour ce 9e mois. Troisième gouvernail, celui qui est en dessous de l'entrée gauche de admin. Tout en mais Bagheera, t'étais là juste à ce moment-là. Bah attends, Domingo et Bagheera là. Hein, attends quoi? Vous êtes tous là? Bagheera, tu disais bonjour à la caméra ici, juste à côté de ça. Et donc on est reparti sur les petites voix. Non, on est reparti sur les petites voix. Dès 21h40, il le fait. Ah, y'a pas d'heure pour s'amuser ici ce soir. Allez, ouais, mets-nous du son, Rive. Non, mais attendez, attendez. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Attendez. Il y a 15-20 secondes. Restez sérieux. J'ai une réponse tout en bas à gauche. Je lui ai raconté la blague du resto pour camionneur. Il était MDR, voire même XPTDR. Ensuite, je le laisse. Excellent. Je croise JDG à Weapons, où je fais semblant d'être un imposteur pour lui faire peur. Et je me casse, et là, je tombe sur le bouton report. Techniquement, non, je vais arrêter ça. Moi, c'est juste, je suis étonné, alors je sais que c'est pas un argument, mais je suis étonné de ne pas avoir vu Jean Castex aux caméras alors qu'il le fait tout le temps, je sauf quand il est assassin. Je l'ai vu aux caméras, moi. Et autre chose, à un moment, je suis remonté, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un aux caméras, j'ai demandé à Ultia si c'était elle, et elle m'a dit non. Alors que c'était aussi, elle m'a dit oui, alors que c'était pas elle. Je suis parfois pas aux caméras aussi. Hein. Quoi? Attends, mais Domingo, t'es astéroïde et t'as pas vu encore en sortant? Non, non, j'ai pas vu et j'ai croisé JDG. Par contre, je trouve ça très bizarre, Bagheera, de rien avoir foutu côté. Alors, attendez. Moi, je suis sur la caméra, là, à l'entrée. Mm. Domingo est parti à gauche, Trivia, tu es resté à l'intérieur. Où est le corps? J'ai pas compris. Non, moi, je suis à la boule, là. Sur la droite, le corps est en bas de la sortie gauche d'admin, dehors, au niveau de la roue. C'est ce qui est en bas, juste où je suis. Tout en bas, ouais.
C'est Domingo du coup. Il est parti juste avant moi. Là j'avoue que je Bagheera et Domingo sont partis tous les deux à gauche. Non mais alors moi j'ai rushé après qu'on se barre à gauche parce que vous me sembliez une des deux un peu suspecte, donc je suis parti en premier. Et ensuite je suis allé directement à Astéroïde et j'ai vu JDG qui m'a fait Antoine est suspect, je réponds la nouvelle. Pourquoi tu dis ça, mais j'ai rien fait de suspect. Parce que quelqu'un avait pas, moi, dans le laboratoire. Déjà, t'as une voix de suspect, alors... Moi, je trouve que Domingo, il a un peu un discours d'électricien. Mais quoi qu'il en soit, on est quatre suspects. Moi, c'est Domingo. Bagheera, est-ce que... Domingo, JDG... Ça me paraît bizarre que... Est-ce que Antoine, Ocam, t'as vu qu'il va me dire rentrer dans le labo ou pas? Je ne m'en souviens pas. D'accord. Je vais aller hanter Ultia, messieurs, dames, vraiment. Il y a un manque d'infos. Mais je kiffe beaucoup mieux. Enfin, souvenez-vous de mes games imposteurs. Je vais vraiment aller les hanter. C'est vrai qu'il aurait pu en tuer plus qu'un. Merci Ractoine pour le Prime et merci Spike Lennox pour l'abonnement. Merci à vous. Ultia ! Ultia ! Comment il a lancé. Regardez. Ultia ! Pourquoi tu m'as tué ? Non ? Pourquoi je vous entends ? On t'entend. Ultia ! Si, excusez-moi, c'est parce que je me mute un peu. Ah, tu te mutes un peu, pourquoi ? Parce que quelqu'un te crie dans les oreilles ? Tu n'arrives pas à comprendre ce qu'on te dit, c'est ça ? Domingo est parti avant moi. C'est ça, Ultia ? Parce qu'il y a un fantôme qui te pète les burnes, tu peux plus parler, Ultia ? Ok, quoi ? Je sais que tu m'entends, Ultia ! Je sais très bien ce qui est en train de se passer ! Ça va ? Salut, Ultia. Salut PA! Toi, tu t'amuses là, cette game. Je passe un très bon moment. Mais qu'est-ce qui t'arrive durant cette game? Si je pouvais te le dire, mon pote! Tu te sens libéré sur la game, quoi. Ça fait du bien de te voir comme ça. Oh, merci, c'est gentil de Ouais, libéré, surtout tueuse, PA! Je sais pas, Bagheera, moi je dirais. Non, mais putain. Allô! Je vais faire des quêtes, j'arrive! A plus tard, Ultia! C'est parfait, comme ça, ça la met très mal à l'aise. Oh, c'est nickel. Ah, oh, c'est nickel. Et ça met trop bien de pouvoir faire ça, là. Tu sais, t'as l'impression de pouvoir te venger, ça. Je vous jure, ça rassure. Ah, oh, putain, bordel, ça fait tellement du bien. Ah, oh, tuez-moi quand vous voulez. Oh, j'ai juste à gueuler une fois que je suis mort, c'est parfait. Elle t'entend. Oui, elle m'entend. Elle m'entend, c'est énorme. Oh, j'ai juste à gueuler. Et franchement, tuez-moi quand vous voulez, c'est une régalade. C'est parfait. Sur son stream, on t'entend pas. Bah, c'est bizarre, si elle m'entend. Si elle m'entend, ça veut dire que sur le stream, on l'entend aussi, normalement. C'est très bizarre. C'est que ça doit être très peu fort, en fait. C'est pour ça que je dois gueuler. Bagheera qui reste au milieu. Si on t'entend. Oui, c'est ça, si. Non, c'est bien ça. Hein. Très faible. Ouais, c'est ça, c'est très très faible. J'imagine comme une voix qui te hante, en gros. Sur la caméra et j'étais un peu déçu que tu l'aies. Mais j'étais pas, c'était pas moi en caméra, moi j'ai fait mes quêtes. Alors du coup la personne n'a pas avoué. Ah, il m'en reste une. Mais il y a full kill, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Il y a deux kills ici. Attends. Qui j'ai vu passer? Il y avait Ultia juste avant, mais vous vous foutez de la gueule de qui là? C'est quoi cette game? Alors là je suis super vénère quoi. Mais c'est quoi ce game là? C'est quoi cette boîte de Non mais n'importe quoi. Alors attendez. Il se passe un truc de dingue. Quoi, je suis en train de faire mes fils, ok, au-dessus, okay. Dans le truc des lights, à côté des lights, bref. Oui. Et il y a Domingo qui arrive, donc je ne le vois pas, visiblement je ne sais pas qui est à côté, donc je pense que c'est Domingo, ouais. Et qui vient et qui me dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un kill à côté de moi. Alors je n'ai pas compris, je n'ai pas vu de kill, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Bonjour. Bah alors, du coup, moi je suis remonté. Du coup, tu l'as tué à côté de moi, Domi, c'est ça? Bah, je serais pas resté autant. Je serais pas. Bah, non, je me serais barré, j'aurais tenté un truc, un clutch. Ce qui s'est passé, c'est que je suis remonté. Déjà, il y avait Ultia qui se tapait une gigabarre astéroïde. Je fais ma petite vie, je passe à gauche. Au moment des lights, je fais le télécom en bas, là. Le truc au cam en bas, sorti O2 et tout. Ensuite, je remonte, je suis vu au cam. Je dis d'ailleurs, putain, j'arrive te tuer. C'est vrai que je suis un troller. Ensuite, je remonte, je vois Ultia se barrer. J'avance. Ultia, tu m'entends ou pas là? Trivia qui ne bouge pas juste à côté de la veine. J'étais en train de faire ses fils. Mais ça, je te crois. Ça, je te crois. Et du coup, je suis parti en mettant ses fils. C'est bizarre de la part de Trivia de rien. Elle m'entend? Vous voulez dire qu'elle m'entend de Trivia? Ça veut dire qu'on peut hurler pour les troubler? Oh, normalement, ouais. Pourquoi ce serait pas Mr. Mvul? Arrête de mentir, Ultia! Non, mais Ultia, t'as. Mais pourquoi ce serait pas Mr. Mvul? Non, mais moi, j'ai fait toutes mes quêtes, j'ai croisé Bagheera, d'ailleurs, et DM. Lilouel! Je dis à Bagheera, mais tu viens où? T'es arrivé super vite, c'est tout. Ah, mais t'es resté super longtemps.
Soit je me suis fait giga. Là, t'as fait une je suis coupable. J'ai pas compris. Vas-y, fais-moi juste, s'il vous plaît. Non, mais c'est Antoine. Je viens d'arriver à laboratoire et il y a Bagheera qui était là, qui ne bougeait pas au milieu d'une pièce. Et oui. Tu dis qu'elle était là-bas depuis longtemps, mais qu'est-ce que tu fous aussi longtemps à la Bagheera en fait? Bah, je discute, je sais pas. Non, c'est bizarre. Attends, tu discutes avec qui, Bagheera? Avec les fantômes. Avec les fantômes, ouais. Non mais en tout cas faut voter Ultia parce que là il y a deux imposteurs et Ultia c'est 100%. Ultia c'est 100% parce que là je vous ai laissé, parler machin et tout, mais là c'est 100% parce qu'il y a peut-être deux kills. Et pour le coup... Mais non, c'est parce qu'il a fait la France, c'est pas vrai. Oh, il faut que j'aille l'embêter au maximum. Ah, faut que j'aille l'embêter. Attends, j'étais mute. Faut que j'aille l'embêter au maximum. J'ai très très mal à voir. Ultia. Je suis ta conscience de femme impure. Mais c'est sûr. Ultia. Ça va honte, Trivia. Vous avez pas honte, les filles? Je pense vraiment que c'est Domingo qui m'a brain en. Oh, merci les coms qui étaient déjà sur le côté. Heureusement les coms. GG. Juste. Du coup, j'ai Ultia, non? À quel moment, juste là, vous votez contre moi? Je comprends que dans l'ensemble, ça peut être un peu louche. Ultia, c'est legit barré, genre des cas, mais c'est pour ça que ça m'a estomaqué parce que. Mais moi, t'es resté très longtemps comme aussi. Je suis resté sur les fils. Ils étaient longs, ces fils. Alors, ouais, parce qu'en fait, je me suis trompée. En fait, j'ai cliqué à côté de l'écran et du coup, ça m'a fait disparaître le truc, j'ai dû le réouvrir. Sauf que toi, quand t'es arrivé, je t'ai pas vu du coup parce que j'avais le truc des fils devant moi. Et je n'ai pas vu. Allô? En sincère. Mais ça veut rien dire, le kill, moi, je l'ai vu au cam, mais de toi, je pouvais report. De ta distance, je pouvais report. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis un peu de temps, parce que je savais pas si c'était un kill ou deux kills. Et vraiment, Ultia, je sais pas pourquoi t'as pas vent. Je pense qu'elle a pas vent parce qu'elle a eu peur de justement d'être vue. Elle a eu peur d'être vue dans ta... Ah ok, ça y est, ok, j'ai un bouton qui lock tout. J'étais à lab. Elle est arrivée à lab. Mais c'est pas elle alors. Mais elle est partie à droite. Attends, juste Trivia, tu te souviens que je t'ai quand même parlé pas mal de temps. Ouais. Je suis arrivé, j'ai commencé à te parler. Et au moment où j'arrive vers le haut, je vois Trivia se barrer vers la droite. Donc non, elle a largement le temps d'arriver à la droite. Qui a fait ce premier kill? Le premier kill? On rappelle que Ponce, on a. C'était entre Bagheera et Domingo? J'ai déjà été premier, je sais pas. Non, c'est pas vrai, c'est entre Bagheera et Domingo. Il y avait un doute avec MB, Bagheera, moi. Et il y avait un quatrième. Non, en fait, le binôme pour moi, c'est soit Bagheera et Domingo, soit Ultia et Little Big Way. Et ça pouvait être l'autre. Merci Galinette Cendré pour le troisième mois. Moi, j'ai un doute sur Domingo. Et merci beaucoup Loiran aussi pour le prime. Mais c'est les deux alors, c'est les deux. C'est les deux pour la prime. Une dinguerie, elle m'a fait une dinguerie. Ouais, c'est vous deux. Le kill de DFG est vraiment au cas. Mais c'est pas Domingo et moi, puisqu'il m'a parlé. Non, mais on est d'accord. Mais Antoine, il a peu d'avis sur la question. Moi, j'étais à droite. Mon avis, c'est. En fait, il y a deux binômes. En fait, c'est soit Bagheera Domingo, soit Ultia et Little Big Whale. Ok, alors vu que ce n'est pas moi, je sais pas. Ah non. Non, mais Ultia, attends. Ultia, juste que je sois sûr au moins de ne pas me tromper, moi. On est d'accord que tu venais de là. Ou alors, tu venais d'où, toi? On s'est pas croisé. Il y a eu aucun moment où tu étais à côté de Cam ou de Light, c'est ça? Mais si, on s'est croisés, évidemment, mais comme je t'ai dit, je n'ai rien vu, moi, ouais, personnellement. T'as pas vu Trivia qui était en train de faire les fils et t'as pas vu Ocam, t'es pas allé Ocam. Or que toi, t'es Ultia qui adore les cams. Moi, j'étais en haut. Quoi? Donc c'est moi, trop, j'adore c'est les trop, cams, non, je vais jamais Ocam. Bah oui, Ultia, c'est bien connu que tu vas jamais. Ok. Je vote Domingo, le premier tour, t'étais trop. Non, mais c'était juste pour être sûr au moins de pas me tromper, moi. De Ultia, c'est sûr. Mais non, je sais pas quoi te dire. Je vote Ultia. Bon, moi aussi. Ah, ça m'arrange. Après, ça fait confiance, Domingo, si tu veux. Ça, c'est dommage. Parfait. Merci beaucoup, Musso Doza, pour le 17ème mois. Merci, Musso. Merci beaucoup, Musso Doza. Il est en train de nous brain. Merci, Fururan, pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour votre soutien, les fleurs. Vous êtes absolument adorable. Pourquoi il a cette voix, Antoine? Il est malade, tout à fait. Il a une rhinopharyngite qui fait qu'il a malheureusement les cordes vocales un petit peu encombrées, donc ça... Malheureusement, ça crée forcément quelque chose d'assez particulier. Attends, elle est morte, tu... Attendez, elle est morte, Ultia, là. Elle est... Ultia? Ah. Tu ne veux pas aller au paradis, dis Loël. Est-ce que tu m'entends, moi aussi, ou pas? Oui.
Sérieux? Let's go! Bon, c'est quoi la strat? Eh, dégage, Ultia, dégage. Tueuse. 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 Le fantôme de tes... Les fantômes de tes accusations passées, Lil Whale. Laissez-la tranquille. Lil Whale, tu perdras cette game. Allez, prends la Lil Whale. Oh merde. Prends la En vrai, je suis dégoûtée. On était à deux doigts d'expulser Domingo. Oui, je sais. C'est vrai, Lil Whale. Vous m'avez fait peur. Tu le tuais? On dit rien. Lil Whale. Non, je dis rien. Je le tue pas, Lil Whale. Je vais faire mes quêtes, finis mes quêtes. Pour se concentrer, c'est horrible de hanter comme ça. Oui, c'est horrible, mais je crois que c'est un peu le but aussi. Lil Whale. Shame. 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 La honte est sur toi. Shame. Shame. Oh, il est pas trop compris ce qui s'est passé. Shame. Shame. Bon, bah, c'est plus bien. C'est très c'est bien. Ouais, oui, bien sûr. Allez, allez. Bien sûr. J'étais en train de dire à MV, je vois, je suis au cam, je vois que Trivial arrive. Elle va tuer merci Sakit pour l'abonnement. Bienvenue. Salut. Merci Sakit. Merci Sakit. Merci à toi. Il régale Sakit de frérot. Ah putain, pardon. Mais c'est un enfer. J'en peux plus. Mais c'est Sakit. Sakit, c'est frère. Domingo. Non, mais c'est Baguera, hein. Ah non, t'aurais dû accuser Jean, limite. Mais... Non, mais elle m'a accusé, mais non, mais bien sûr, évidemment. Moi, je pouvais avoir un doute encore à ce stade, tu vois, j'étais... Ouais, ah ouais, à ce point, t'as fait une dinguerie et j'ai failli être le dindon de la farce, quoi. Ah oui, du coup, les prédictions, vous l'avez dans Lyon. C'est pour dire. Bon vote, je vais faire bibi. Ouais, ouais, ouais. Bon pips. Ce petit bruit de crotte qui tombe dans le... Dans les chiottes, ça régale. Oh, les chiottes, ouais. Ah, pardon. Je sais pas ce que... GG. Je sais pas ce que vous entendez. Ah, on aurait jamais dû rebuzz. Ah. GG. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. MVA, elle arrive à tuer l'un d'entre nous. Et ouais. Mais c'est passé quoi? C'était quoi le délire les deux là sur le truc là? J'ai pas compris. Bah écoute, il se trouve que t'es arrivé et moi j'étais en train de rigoler et du coup j'ai fait genre que je faisais les fils, j'ai pas bougé. Mais t'étais sur un corps? Ah non, non, mais il y avait deux corps dans les cams. On avait fait double kill sur les cams. Je fais même pas gaffe à Chib. Maintenant, il y a un nouveau. Il y a des nouveaux hats. Mais elle existe plus là. C'est vraiment trop drôle de pouvoir faire chier les imposteurs en fait. Ah ouais, c'est trop bien. On vous entend en mode fantôme, vraiment, en mode avec les voix qui résonnent et tout. C'est trop drôle. Je crois que c'est leur console, c'est leur voix XLR, je crois. Bah oui, parce que je suis tout le temps imposteur là. Oui, c'est toujours les mêmes. Ou les remakes. On passe sur The Scald. Ok, on peut passer sur The Scald alors. C'est parti. Hey. Alors, je vais quitter la game. Alors, si on peut mettre des clips, je suis désolé, oui, vous prenez des fois des bans à cause des clips. On peut mettre des clips, mais il faut que je whitelist encore certaines chaînes. C'est pour ça que des fois ça marche pas, je suis désolé. Seuls les clips de Ponce sont autorisés. En fait, oui et non, j'ai commencé à whitelister des chaînes, mais des fois j'en oublie, mais il faut que je continue à en whitelister d'autres pour que vous puissiez mettre les clips, justement. Heureux. Je quitte cette game. Je vais rejoindre une nouvelle. Merci d'ailleurs, La Misère, pour le subgift. Merci beaucoup. Et merci Yami Yugi aussi pour le 6ème mois. Merci beaucoup. Alors, rejoignons. Il est où le code? Petite musique d'Animal Crossing qui récale. Non, les cams étaient déjà coupés en fait. De la game d'avant. Oui, c'est d'avant. Oui, c'est on aurait ça. Dû faire quoi en fait là? Bah là, on pouvait rien faire en vrai. Là, c'est pas clair. On pouvait rien faire. On aurait juste dû sortir Domi au moment de sortir Domi, quoi. Moi, je vais... Au lieu de faire lui. Vas-y, parle. Allô. Mais attends, à chaque fois qu'on fait un lobby, ça reset les paramètres son. C'est un enfer. Pourquoi comme ça reset les paramètres son? Et bah, il faut remonter et rebaisser tout le monde. Est-ce qu'on se mettrait en fait, on fait 2-3 gammes et on se met le shérif après? Ouais, on fait le shérif après. On peut essayer de remettre, effectivement, mais on sait pourquoi ça déconne la première fois ou... Je crois que tout le monde l'avait fait, pas. Parce que DFJ l'avait pas mis en place en fait. Oui, DFJ l'avait pas activé, c'est juste pour ça. Ah, ok, ok. Par contre, vous aussi, ça reset les paramètres audio quand on fait un lobby? Non. Ah. Oui. Ah. Les sons, faut les remonter et tout, c'est un peu l'enfer. Moi, ça va, je pense. Tu veux qu'on stoppe, Ponce, du coup? Bah, moi, je vais bouger, je pense.
Ouais, tu veux peut-être arrêter. Ah, c'est bien là la distance. Moi, c'en est trop hein, pour moi. Non, moi mais là où il y a des trop, c'est pas. Trop, je peux pas. Entre personne caca et relever le son, moi c'est bon. Si, on t'entend, Bagheera. Je t'entends. Ok, je dois remettre le mode du coup. Max pour le prime. Non, non, pas de soucis. Merci, Max. Oui, on fait pas de soucis. Bon pips. C'était un bon pips. C'est un bon pips. Ouais, moi aussi j'adore. Du bon pips. Foutu partout. Ok. C'est bon. Tu sais, j'ai fait le truc où ça se divise en deux et tu sais pas pourquoi là. Ouais, c'est un bon pips. J'avoue, ta petite fleur, on la voit pas. Bien longtemps, ils vont plus la peine quand même. Ah, vous la voyez pas ma petite fleur là? Non. Oh, mais. On la voyait tout à l'heure. Que par rapport à ce mode, y a pas la stéréo, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, y avait la stéréo. Il y avait la stéréo. Mais oui, tu sais, ça faisait. Ouais, si c'était à gauche, on entendait à gauche. C'était spatialisé. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, j'aimais bien, ouais. Tout à fait. J'ai pas fait attention. Vous aurez peur du cas. Oh, pardon. FG, c'est pas spatialisé. Je dis pas assez longtemps pour ça. Domi. Ouais. En fait, je me fendais grave la gueule parce qu'il y avait Ponce qui me hantait, du coup, j'étais imposteur et non, il hurlait Alors genre, il me hurlait dessus, du coup, je me tapais une gigabarre en fait. Voilà. Non, mais il fait encore pips DFG. Ouais, il est en train de faire un énorme pipi là. Le pipi DFG. Pips. Putain, elle a du mal à partir cette goutte. Il est en train de me niquer ma vessie. Il a une énorme vessie. Il est américain. Il a une énorme cette goutte qui ne veut pas partir. Cette petite goutte qu'il va falloir réussir à subtiliser. Le pipi. 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 Oui, je suis là. Salut à tous. C'est Docteur Pipi. Salut, mec. Allez, lance. Eh, attends, attends. Ah, oui, oui. Il y a un truc pour mettre la spatialisation du son. Parce qu'on sait qu'on a plus. Non, y a pas. Ah, dommage. Ok, ok. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave, tranquille. Ah, c'est quand même. On n'est pas déçu du tout, t'inquiète, DF. C'est fort la spécialisation. T'inquiète, c'est trop bien, DF. Mais attends, c'est toi qui l'as codé le machin qu'on utilise? Oh, certainement pas, à mon avis. Je sais pas, je demande. Non, je n'ai pas de talon. Non, désolé d'avoir niqué votre soirée. Ah, on me dit que Trivia est F. Ah aïe 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 aïe. On attend, on attend. On attend, on attend, on attend. On attend qu'elle dise re. Ouais. Pendant ce temps, je me mute et je remercie Goddom pour le 3e mois, Spikey Floof pour le 8e mois, Marine and You, merci pour le 2e mois, The Yami Yugi, merci pour le 6e mois. Merci beaucoup. Ah, mais ils ont rien à foutre eux. Attendez quoi? Allô? Oui. Ah mais si, on attend, on est d'accord. On se déstack, on se déstack. Il faut en faire un, il faut faire un unique. Qu'est-ce qu'ils font? Un unique. Ah, bonne chance, allez, à plus. Merci. Oh là là, ça c'est le plan Huck. Ici là. Ah, c'est compliqué. Oh là là, le plan Huck. Je le ferai plus tard, hein. Retrouvez-moi plus tard. Ok. Je te jure, c'est toi. Ok. 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 Ok, c'est ma map préférée Little Big Whale et je suis mort plein de fois au premier tour. J'aimerais bien ne pas mourir maintenant, s'il te plaît. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est vraiment pas moi. Nice. Oh, oh, MG. Pas au 19e astéroïde. Eh bien, c'était rapide. Oh non. Oui, effectivement. Et PA. Oh non, PA, non. Alors, attendez. Non, non. Alors, est-ce que je peux dire un truc ou pas? Oui, vas-y. Oui. Alors, oh. C'est toi qui l'as tué? Non, deux secondes. Ça a été report par DFG. Le corps était MedBay, on est d'accord? Ah. Exactement. Alors, très bien. J'ai vu PA rentrer dans MedBay avec Jean Castex qui était rentré avant lui. J'ai vu Jean Castex ressortir et moi j'étais on va dire du côté gauche de la carte et j'ai vu Jean Castex repasser. Tout à fait, j'étais avec PA à Medbay, tout à fait. Et quand je suis reparti par où, je t'ai vu effectivement à gauche, je suis directement allé aux caméras. Mais si j'avais tué Medbay, j'aurais vent en fait, j'aurais vent. Pas forcément. Pas forcément effectivement, mais j'ai croisé effectivement PA. Il faisait quoi PA dans le Medbay? Je sais pas. Moi j'ai fait mes petites fioles et ensuite je l'ai laissé. Je l'ai littéralement laissé à son. T'as eu le temps de faire les petites fioles. Mais les petites fioles, c'est pour une seconde. Tu cliques un truc sur les petites fioles. Et c'est bon. Rester dans Medbay. Bah oui, Fred, tu restes. Non, mais j'en sais rien, j'ai aucune question. Je suis de l'autre côté du vaisseau. Alors, je me permets de penser que DFG n'a pas self-report le kill de. Il a dit le de Domingo, parce qu'en vrai, la Medbay, c'est un truc où quand il y est, tu self-report pas parce que ça peut être bien caché et tout ça. En vrai, je pense que c'est. C'est Antoine, je pense. En fait, ça peut être qu'Antoine, parce qu'en fait, le truc, c'est que PA est mort sur les fioles, sauf que, en fait, s'ils sont rentrés ensemble, il n'y a aucun monde où PA sortait pas en mode direct, tu vois. Tu restes pas sur les fioles à attendre. Non, c'est. Oui. Mais en fait, j'ai fait les fioles en premier et je suis parti, je l'ai laissé à l'intérieur. Je ne sais pas s'il a fait le Attends, scanner, DFG... je ne sais pas s'il a non, fait il est pas sur le scanner. Le corps, il est sur les fioles. Ouais, il est sur les fioles, il est complètement rentré. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il aurait pas pris une vente. Antoine. Oh. Ouais, c'est hyper risqué de ressortir quand même. Bah oui. Mais on bah peut oui, en vrai, j'aurais pris une vente. Une erreur est vite arrivée.
Bah non, pas pour moi. Tu sais pas, tu sais pas. Excuse-nous. Excuse-nous, Jean Castex. Parce qu'en vrai, tu m'avais peut-être vu et du coup, bah, t'avais pas osé parce que tu savais que je t'avais vu être dans mes dents. Mais non, en fait, si je t'avais vu partir à gauche, j'aurais 20. En fait, je t'explique. Si j'avais été imposteur et que je t'avais vu là-haut, je ne serais pas reparti par là et encore moins, déjà, je serais pas parti sur la gauche. Je serais reparti vers Cafette. Et en plus de ça, si j'avais 20, ce que j'aurais probablement fait, je serais parti vers Electrical. Voilà. Ouais, je trouve quand même ça trop bizarre et qu'il n'y a que après, toi qui ai pu le tuer. Après, on peut effectivement ne pas voter pour lui, mais en revanche, on lui met un bracelet électronique. Attendez, mais attendez, juste, pourquoi des fois, on parle 15 ans? De toute façon, la seule personne avec PA à cet endroit-là, c'était Jean Castex. Il n'y a pas de feinte. Bah, ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc à part quelqu'un qui 20 arrive, tue, revent, bon. Moi, j'ai vu personne au cam quand je suis passé, donc... Moi, c'est juste, ça m'étonne beaucoup qu'il soit ressorti, quoi. Parce que, genre, juste quelqu'un sur le chemin, c'est giga chaud. Je sais pas, je suis pas sûr. On tuera Antoine au prochain tour. Oh non. Allez, oh là là. Vous êtes sympa. Moi j'en connais certains. Ouais, moi aussi, je trouve honnêtement que vous êtes sympa. Moi ça m'a fait rire parce que j'ai fait pouic. Et puis ça fait des pouic, 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 pouic. J'ai rien compris, OMB. Ça a beaucoup voté. Non mais j'ai lancé le premier vote et c'est parti en cascade. Ah bah oui, on a suivi, oui. Forcément. Merci Amist. Merci beaucoup Amist pour le deuxième mois d'abonnement. Moi, je pense que c'est Jean Castex, très honnêtement. Je vais être tout à fait franc, je pense que c'est lui. Je vois pas ce qui se serait passé d'autre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, je suis... Je me casse. J'ai pas envie de mourir. Attends. MV, il y avait qu'à droite tout à l'heure avec toi. À droite? Mais moi, je sais pas, parce qu'en fait... Attends... Que moi, j'ai vu Ponce et JDG faire les trucs en haut de cafétéria, et vu que c'est souvent double kill dès le début de la game, je suis parti. Okay. Et j'ai fait mes astéroïdes, et tout le monde est parti après la ici, navigation, donc j'ai pas suivi après. Ouais. Il y a personne qui est passé par le milieu, genre qui a fait une kill électrico, un truc comme ça, je sais pas. Moi je trouve qu'on parle beaucoup pour pas grand chose, c'est-à-dire qu'il y a... Oui. Tu fais quoi? Oh non, Pompon. Ah mec, bon bah, je pense que c'est Jean Castex au hasard. Ah, tu l'as eu. Ouais. Bon bah, c'était vraiment lui du coup. C'est top. Moi j'essaie juste... Viens, on va faire chez Bagheera. Viens. Mais pourquoi on n'a pas voté pour lui? Je comprends pas. C'était sûr. Bagheera, DFG a grillé. DFG a grillé. Il y a trois personnes. Il raconte que de la merde. T'inquiète. Alors j'ai vu la 20 de caméra s'ouvrir, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu qui c'était. Mais du coup, ça veut dire que c'est forcément quelqu'un qui a MedB ou qui a Electrical. Et quelqu'un qui aime bien les caméras. C'est pas Bagheera en tout cas. C'est pas Ultra, ça c'est sûr. Qui était à... où est le corps? Il est au tout à l'entrée d'Electrical, mais vraiment à l'entrée. Ah ok. Qui est à gauche du vaisseau en fait? Comme le soupçonnettes, il y a. Là, moi je suis avec Ultia, on est arrivé, je sais pas qui est avec nous. Sachant que le dernier au passage que j'avais laissé dans la salle des caméras, c'était Rivenzy. J'ai un bec de fun fact pour lui. Non. Pour qui? Non, parce que moi je suis à droite là actuellement. Je suis pas de quoi? Question à compter. J'ai vu la 20 de la salle des caméras. Si, je t'entends, Père. Pardon, excuse-moi, non, je parlais parce que. Alors, ça c'est intéressant. Effectivement, j'ai vu la 20 des caméras. Quand t'as pas la lumière, tu vois. Ah non, les tueurs t'entendent pas là. Ça devient gris. Donc j'ai vu la veine de la caméra bouger. Juste quand je parlais tout à l'heure, j'ai cassé les couilles. Donc j'ai pas vu qui, mais j'ai vu la veine des caméras sourire. Alors le truc, c'est que moi j'étais aux caméras au moment où Little Big Whale et Ultia étaient navigation, donc ça commence à faire un petit moment maintenant quand même. Ah oui, en effet, ça fait. Je suis d'accord. C'était là, je suis à droite désormais. Je suis à astéroïde. J'ai peur qu'ils disent que t'étais à Coms. Non, je suis à astéroïde. Moi, je suis quasiment sûr que c'est pas MV ni DFG, du coup, voilà. Moi, je suis certain que c'est pour ceux qui sont astéroïde. T'as pas fait les astéroïdes avec nous au début du deuxième tour? Qui, moi? Ouais. Ah non, pas du tout. Il les a pas forcément. Non, non. Non, je les ai pas fait du tout. Donc ça peut être là sur ce kill, excusez-moi, Rivenzy. Jean Castex, Antoine, on sait pas où il est. J'étais à Coms. Personne la vote. Mais du coup, c'est pas vrai, on en vient avec Bagheera. T'es arrivé par où à Coms? Je suis arrivé par la salle du bas, là. Ouais, mais la salle du bas, t'es arrivé par Storage. T'es arrivé par... c'est pas vrai, par l'espace. Je suis arrivé par Storage. C'est pas vrai, on en vient. J'ai vu... Bon, il y avait les lumières. Bon, allez, Jean Castex, ça suffit.
Bon, c'est sûr que c'est Antoine de toute façon. Depuis bon, bah, je... Vous oui, depuis le début. Moi, je viens écouter. Je viens écouter. Depuis le début. C'est toujours lui. Parce que j'ai encore un micro. Ils vont le voter. Ils vont le voter. J'espère. Laissez parler Antoine. Sinon, il reste 20 secondes. On s'entend pas. J'étais à droite pendant un petit bout de temps à Navigation. Ensuite, je suis passé par en bas. J'ai vu que Trivia faisait les feuilles en bas de Storage. Elle est partie. Je suis parti faire les feuilles en bas de Storage. Puis je suis revenu à Communication. Je faisais mon download à mon upload à Communication. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le report. Ça passe pas pour moi. Ça passe pas pour moi. Pareil, ça passe pas pour moi. Non, moi c'est mort. Non. On n'aura pas comme ça. Ah non. Mais en fait, le problème, c'est que. C'est pas parce que tu donnes ton explication que. Ouais. Moi j'ai skip, mais on est passé par ici, Antoine. C'est mort. C'est mort. Chez. Chez Antoine. Aïe. Bagheera, tu m'as mis dans la sauce. Je vais quand même continuer mes quêtes tranquillou et je vais me mute aussi pour vous remercier. Merci beaucoup Petit Tech pour l'abonnement. Merci Animoop aussi pour l'abonnement. Grenouille pour le Prime et Léotosaur pour le deuxième mois. Merci à vous. Voilà, je suis plus mute. Coup dur pour Antoine. Mais Antoine, il est tout le temps imposteur. C'est un truc de ouf. Antoine est tout le temps imposteur. Mais vraiment, mais genre, je joue avec lui tous les lundis et plus parfois, il est tout le temps imposteur. C'est un truc de fou. C'est un truc que de gueudin, quoi. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Ça me retourne le cerveau, quoi, vraiment. Il n'y a plus que Bagheera en imposteur. Ça va être dur, hein. Vu qu'Antoine a parlé à Bagheera. C'est à peu près sûr. Le clip d'Antoine est fou. J'ai pas vu. Ça vous arrive de jouer hors stream à Among Us? Non. Non. Pas trop le time en vrai. Hein. Pas trop le time. Tu m'entends, Jean Castex? Bagheera. Ah mais bien sûr que non. Fort. Il faisait bon. Dommage. Grosso porte là, grosso porte. Cache-cache avec. Attendez, je vais mater le clip dont vous parlez parce qu'il a l'air cool. C'est qui? J'ai vu quelqu'un. J'ai vu la veine s'ouvrir. Qu'est-ce à faire, moi? Oh, la chance. Je viens de voir la veine de caméra bouger à l'instant. Ah. Je suis à droite actuellement, à navigation. Donc, comme moi autour d'avant, c'est peut-être qu'elle est mal vissée, du coup. Ouais. En tout cas, elle a bougé, là, la veine. Hein. Ok, qui était caméra, là, jusqu'avant? Jusque-là, maintenant, là? Bah, c'était le mort. Il a pas vu parce qu'il y avait pas de lumière. C'était Monsieur MD. Il y avait pas de lumière, c'est pour ça qu'il a pas vu. Et du coup, Ultia, t'es arrivé au cam, là? Non, pas du tout. En il fait, a juste entendu, mais du coup, il a fait Yaki, et il a couru au hasard, quoi. Oh, c'est chaud, quand même. Déjà Non, je s'abonne pas parce que j'ai pas envie. Si elle a des problèmes, s'abonne. Merci, Jazv. Merci pour le 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On peut voter. Ah, mais attends, on peut parler. Jean, tu m'entends? Oui, on peut parler. Parce que moi, ce que j'ai. Moi, je t'entends. Ah, ouais, on peut parler entre donc crewmate mort, mais par contre. Et Ponce, c'était horrible. Ah, tu le l'admin. Tu m'entends? Ouais, moi, je t'entends. Le premier kill, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, bon, c'est aussi à ce tour. Non, c'est Bagheera qui a fait le kill, c'est pas moi. Et tout le monde m'a accusé, c'était pas moi. Putain, j'avoue, what the fuck. En fait, je suis effectivement bel et bien imposteur, mais. Il y a rien de pire, que des gens qui ont raison, mais pour les mauvaises raisons. Ah oui, c'est horrible. Ah bah oui, c'est horrible. Ultia et Bagheera sont safe parce qu'elles se votent depuis le début et elles ont voté Jean Castex. J'ai fait une partie de cache-cache avec JDG à caméra. Oh, j'ai vu le clip. Incroyable. J'ai vu le clip. Elle reporte le corps et le corps juste après mon kill. Je vois pas pourquoi. Alors, je sens que ça va tomber sur moi. Je crois, ouais. Moi, pour le coup, j'ai un doute. Non, mais pour le coup, j'ai vraiment un doute sur Bagheera. Non, alors moi, j'étais admin. Ouais, parce que. Pour moi, c'est soit Ultia, soit Bagheera, parce qu'elles n'étaient pas ensemble à la fin. Non, c'est vraiment pas Ultia. Et à chaque fois, il y a eu un kill. Donc, pour moi, on a eu Jean Castex. Il reste une des deux filles. Et à mon avis, c'est une des deux filles qui a tué ici. Bon, moi, je dis ça parce que je sais que c'est pas moi. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire. Parce que voilà.
Mais toi, t'es où là? Je pense pas que ce soit DFG. À moins que DFG. Je viens de voir le clip, il est incroyable. Oui, le clip est dingue. Je vais le remater vite fait. Je l'ai vécu, mais j'aimerais bien le voir. Pareil. Pour le coup, avant, on a vraiment fait une bonne partie ensemble et ça m'étonnerait. Merci Atomic Marmelade, best crewmate. Ouais, bah là, je suis vraiment très crewmate là. Vraiment très, très crewmate. Là, je suis admin. J'étais en train de faire les fils admin. Il me reste exactement deux quêtes après. En fait, une très bien pu... Est-ce qu'elle aurait pu venir de caméra admin d'Evie? Non, non, en fait le truc c'est simple, c'est que si on se dit que le kill est fait pendant l'emergency O2, c'est forcément elle, parce qu'il y a quelqu'un qui était pas là en fait. Mais s'il a vu la c'est pas vrai, j'y étais là. Non, mais t'es arrivé. Non, mais en fait, t'es arrivé de côté Medbay après tout le monde. Moi je sais pas. Mode trivia, je pense que c'est. Non, non, c'est pas moi. Oh, c'est DFG qui fait une masterclass, je crois. Arrête. Non, non, mais vraiment, c'est vraiment pas moi. C'est vraiment pas moi. J'ai skip moi. Mais vous êtes sérieux? Oh bien, bah, oh, très bien. Oh, Baguera qui est en train d'aller chercher peut-être une petite win ici. C'est chaud? Ah merde. Ouais, vas-y. Incroyable le clip. Bah, ouais. Non, mais on est dans Better. C'est un truc de fou. On va au moins terminer ces petits trucs là. J'ai pas envie de les faire perdre. 100% JDG voit pas Antoine. Ah oui, non, mais sur le clip qu'on a, regardé tout à l'heure, c'est sûr et certain que JDG voit pas Antoine parce qu'il fait noir en fait. Du coup, il entend le bruit de la vente et c'est pour ça qu'il dit oh, il y a quelqu'un. Mais il voit pas. Parce que, bah, pour voir, c'est chaud quoi. Étant donné qu'il fait tout noir. D'ailleurs, Atomic Marmelade, j'ai utilisé ta photo hein, pour mon. Enfin, ta photo. Ton dessin 3D, devrais-je dire, pour le tweet là. TG. C'est trop chiant. J'ai pas dit va faire tout noir, j'ai dit fais tout noir. Attention, vous trompez pas. Attention. Il n'y a personne. Attention. Après, je pense Ultia m'a vu partir. Il faut que Ultia vive. Si Ultia elle peut me confirmer que je suis parti tout seul avec Baguera, elle m'a vu partir. J'avoue que là, je viens de le dire. N'en profitez pas trop pour me dire d'être ta gueule, hein. Parce que moi, sinon, je vais en profiter pour vous bannir aussi. Ça va être énorme. Ça va être juste énorme, en fait. On va juste en profiter, vous comme moi, quoi. Moi, je les aurais tous ban. Non, quand même pas. C'est quoi la ref? Ah, vous avez pas la ref? Ah, vous avez pas la ref? Aïe. Attendez. Quand même, et voilà, c'est sûr. Je l'ai laissé, il allait vers Cam et il est mort. Ok, non, c'est moi qui suis allé cam pour report, ça va, enfin, c'est pas moi qui le respecte, sinon on est tous allé cam tous ensemble, alors, t'avais pas le choix, c'est DFG qui a dit qu'on était à l'heure avec cam. Alors déjà, c'est moi qui suis allé tout seul à droite remettre l'oxygène, donc arrêtez de dire que c'est moi, en fait. Mais c'est pas vrai, on y était, Baguera je l'ai envoyé la remettre l'oxygène. Mais c'est pas toi, Baguera qui l'a fait, j'étais avant toi. Non, je suis arrivé juste avant, mais... Ah Baguera, t'en parlais avant toi. J'étais tout seul, et je l'ai fait. Arrête, sinon je t'aurais tué tout seul là-bas. Si j'étais innocent. Non, il y a DFG qui arrive en même temps. Mais non, mais il arrivait après. Excusez-moi. J'ai une petite théorie. Il a mis tout seul au deux. Putain, comment elle a fait une gaffe là. Ils n'ont pas grillé. Il y a eu un duel. Allez, faut Baguera la clutch là. Antoine et Rivenzi. Elle peut faire un move incroyable. Ok. Antoine n'avait pas l'air d'être imposteur. Ah, tu penses que c'était pas Antoine? Tu penses que c'était Rivenzi? En vrai, on n'en sait rien. Je sais pas en fait. Et s'il était imposteur? Pour moi, c'est un peu. Non, bah, j'étais pas imposteur, t'inquiète. Et pas Antoine, on s'est trompé. Et peut-être que moi, je me suis. En vrai, je vous ai donné Antoine et je pense qu'il était vraiment imposteur. Mais par contre, après, je tiens à dire aux deux personnes qui sont mortes là maintenant que le kill du début, c'était pas moi. Okay. Voilà. Mais ça arrive, tu vois, genre. Ah mince. DFG. Moi, je sais que je suis innocent, donc c'est DFG, Baguera. C'est un peu bizarre. En fait, ça dépend. Tu donnes des excuses qui comptent pas, en fait. Parce que tu peux aller faire les alertes en tant qu'imposteur. Et en plus, moi je suis arrivé, DFG était juste derrière moi, pour l'instant tu m'aurais pas kill. J'ai donné Antoine dès le début. Bah justement, c'était peut-être pas Antoine quoi. Et puis Baguera, c'est vrai que je peux tino que sur ce fameux kill où on était toutes les deux. Allez, faut qu'elle le fasse, faut qu'elle tourne. Ah Baguera, elle germe, elle a fait une grosse gaffe au début, elle a pas été relevée. DFG, tu dis rien? Oh, en parlant de l'O2 là. C'est que vous avez l'air de... Bah l'O2 en fait, Rivenzi, il l'a fait tout seul en haut. Et Baguera, elle a jamais vu en haut. Bah oui. Parce que moi je regardais en fait à ce moment-là l'O2. DFG l'a fait en bas et Rivenzi en haut.
Oui, c'est vrai que je suis seul, mais pour mais je pense que Riv il enquête pas mal quand même. En fait en gros, c'est moi qui à chaque fois je vous donne toutes mes positions à chaque fois et je vous assure, je les donne à chaque fois. Il y a jamais de fin, il y a jamais personne pour dire ah non, c'était pas. En plus, Rivenzy, là, c'est directement ah, c'est moi qui vous ai dit d'aller. Fred, il faut qu'on t'envoie le clip de moi qui vente. Je viens de le voir effectivement, moi sur mon point de vue, on ne voit jamais. Ah oui, normal. Je pense que c'est ah, on peut ne pas voter. Attendez. Ouais, on peut ne pas voter. J'ai pas assez d'infos. J'ai peur pas. De faire un. T'as eu une chance de ouf. Ah ouais, non, incroyable. DFG, t'en penses quoi du cas Bagheera? Parce que au final, elle pourrait très bien se cacher derrière moi pour s'innocenter. Non, mais c'est comme pour toi en fait. Mais oui, comme pour moi, oui. Vu, ça m'étonnerait et je te sens vraiment bien. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que Bagheera me fait bader, mais bon, je peux pas. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Oh, allez, là faut qu'elle fasse équipe. Faut qu'elle fasse équipe. Faut gagner à l'odeur. Faut gagner à l'odeur. Ouais, il suffisait d'un pas. Effectivement. Pas Antoine, ça veut presque certainement Rivenzy. Il aurait été. Et merci beaucoup Navaspliff pour le 6ème mois et Warrior Pet pour le 10ème mois. Merci à vous. Merci beaucoup. On va voir ce qui se passe. DFG qui remet les lights. Ouais. DFG. Faut pas trop splitter, je pense. Hein. Faut pas trop se splitter. Ouais. Bah non. Moi j'aime bien me splitter, j'avoue. Mais finissez au moins par contre les tâches, non? Il doit en rester très peu là. Il doit en rester 5 à tout casser des tâches. Allez. À la fin. Ah. Oh non. Oh ok. Je vous rassemble, vous êtes trop loin. Je vous passe des quêtes. Bien quoi, joué, tu vois. Bien joué, bien joué. Ouais, ouais, mais vous êtes parti. Tu faisais quoi comme quête là? Oh putain, elle aurait pu tuer Rivenzy 1000 fois. Quoi, après, je pense qu'elle serait fait griller pour elle. Elle serait fait griller, ouais. Attends, mais what the fuck? Faut gagner à l'odeur là en réalité. Bah ouais, mais je pouvais pas trop le faire parce que il y avait déjà le sabotage qui était fait. Ah oui, non, mais faut qu'elle le fasse, ouais, de toute façon. Je sais pas pourquoi j'entends Antoine en fait. Parce que les morts peuvent hanter les imposteurs. Et que tu dois être imposteur. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai pour le coup. Non, c'est pas vrai en plus. C'est intox. Non, mais je vous assure. Non, par contre, faut pas qu'il vote sur ça. C'est une intox. En vrai, au pire, fais un contrôle R sur le. J'ai fait contrôle R, je vous assure, et je l'ai entendu sur le round. Je vous assure. Ouais. Je vous assure. Ah non, je vous aurais pas dit. Et parce que je connais la règle qui fait que. Mais je la connais, je vous aurais pas dit. Je sais très bien. Je sais que je suis. Non, pas ça. Ah non, pas comme ça. Ce serait vraiment ça. Pas comme ça, pas maintenant. Et je vous assure, j'entends même, je dis DG, j'entends certains qui parlent derrière, j'entends. Tu m'entends là, Rive? Oui, donc c'est ça alors, ouais, du coup. Mais allô, non, mais c'est pas ça! Non, en vrai, je pense. Non, je sais pas. Moi, là, en fait, en gros, je suis niqué parce que. Tu vas mourir pour avoir vu ça. Je sais qu'il y a un poster maintenant parce que j'ai entendu Antoine donner les indications à la baisse. Et je peux pas le donner en fait. Ah, mais oui, d'accord. Ah, oui, on en est là. C'est chaud. C'est vrai. Ah ouais, bah alors là, ça s'est bugué alors. Ah oui, c'est quand t'as dit je peux pas saboter pour elle. Et il a peut-être entendu dans le micro de Bagheera qu'elle était collée à lui. Elle était collée à lui. Ah, t'as voté? Bah, yes. Non, mais je vous assure que. Bah, du coup, je sais qu'il y a un poster. En fait, la game est niquée quoi. Ah mais attends, mais c'est tellement dommage. Ah merde. Non mais c'est de la merde. Je pense qu'il a entendu c'est de la méga merde ce vocal. Faut enlever les fantômes qui hantent, c'est tout. Bah ouais. Là, skipper tous les deux parce qu'on vous a voté tous les deux. Oh l'enfer. Si il sait, il pourra jamais voter. Bah du coup, il sait qui c'est. Bah oui, Riv, il sait qui c'est, donc... Et puis même nous, on est biaisés parce que du coup, ça... L'enfer. Merci Dr Samax pour le 3ème mois. Merci beaucoup. Pas de soucis, c'est un plaisir de te soutenir. Oh putain, mais c'est un enfer, je sais jamais quand. C'est un enfer. Pardon. Du coup, merci Dr Samax. Là, je suis mute normalement, c'est bon. Maintenant, je me mute dès que je parle, c'est bon, j'ai compris. Des fois, ça marche pas, on sait jamais, c'est un enfer. Non, le fais pas, Bagheera, le fais pas. Tu attends, tu kills. Tranquille. Tu tues ce mécréant qui entend des voix. Mais derrière, il y a des FG. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc, c'est Bagheera, du coup. Il était encore un peu debout, mais ouais. Bah oui, non, mais dans tous les cas, c'est mort. Façon, en fait, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Parce oui, que c'est juste pas grave. Ah non, mais t'inquiète, t'inquiète, il me dit plus rien. Hein. On se comprend. C'est pas ta faute, bon. Évidemment. Bon. Pas ouf. Et bah, t'as bien joué, Bagheera. Franchement, t'es vraiment la boss. Et tu vois, merci Stoop pour le 7ème mois. Merci beaucoup, Stoop. Stoop. Ah, dommage. Dommage. La vidéo YouTube. Et du coup, Riv, ouais, c'est Riv qui a bugué. Ouais, c'est Riv qui entendait les morts. Non, peut-être, ouais. Parce que c'est bizarre, c'est la première fois que ça fait parce ça, que, en fait. Oui, parce que il l'a entendu quand il était à côté de Bagheera. En fait, normalement, si tout le monde refresh, quand il y a ça, c'est normalement ça marche.
Alors le clip, je sais pas si vous avez vu le clip d'Antoine. Ça m'est arrivé une fois aussi, mais... Hop, c'est refresh. Le clip au début, c'était pas moi, putain. Je sais pas si vous avez vu le clip d'Antoine dans la salle des cams. Il est incroyable. Il est incroyable. Alors que sur mon point de vue, on ne le voit pas du tout. C'est Wally d'ailleurs. Ouais. Je suis désolé. C'est les Looney Tunes quoi. S'il peut rien arriver s'il y a eu un bug. Mais ça devait être l'enfer. En plus, il t'entendait les deux imposteurs parler. En fait, j'entendais pas du tout Bagheera. J'entendais juste en fait. Tu le. Et du coup, j'étais en mode ah, je devine du coup que c'est la dame. La gueule, j'imagine. Ah. En train de te tuer et ça a cliqué au mauvais moment. Enfin, genre à la frame, tu vois. Et du coup, ça aurait. Mais en vrai, par contre, Bagheera, gros GG parce que franchement, j'avais tellement du mal. Je commençais à douter parce que tu commençais vraiment à me sauter dessus. Mais je disais, mais si je commence à parler, bah tout le monde va penser. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Ah ! Ah ! C'était qui ? J'ai vu quelqu'un. J'ai vu la veine s'ouvrir. Ouais, c'est introuvable. T'es là-dedans ! Sors de là ! Il y a trois personnes. Attends, c'est introuvable. Les cadavres. Je vais l'enlever, je vais pas l'enlever. S'il te plaît, parce que là, c'est trop... Quand il l'aura enlevé, il faudra tous refresh. Okay. Ouais. Vous pouvez rafraîchir. On refresh ? Ctrl R sur le... Hop okay. All right. Ah ouais, très étrange, hein. C'est, je sais pas comment il t'a c'est... pas vu JDG sur ce clip, c'est ouf. Mais parce que il y avait pas les lights. Moi, sur mon point de vue, on ne le voit pas du tout, mais pas une seconde, même pas un pixel.